couilles avec ses ballons, lui, là. Il y en a trop. Il y a trop de ballons. Mais il y a trop de temps. Je vais tomber, je vais faire une entorse. Désolé. Au secours. Il y en a trop. Mesdames et messieurs, il y a tentative d'organiser un Age of Empire. C'est lequel? Le 4. Le dernier? Ouais. Le tout dernier. Ah, t'as jamais joué? Non, le tout dernier. Ah. Non, il est sorti il y a genre un ou deux ans, quoi. Age of Empire 4. Pour mythologie? Non, c'est pas pour celui-là, c'est pour le 4. Alors, attendez. Tu m'entends ou pas, Alton? Oui, je t'entends, oui. Ah, je t'entends aussi. Super. Oui. Ça fait problème. Tu m'entends? Je vais faire une déterrer là. C'est un peu dégueulasse la qualité de ton micro. Je t'entends pas. Enfin, c'est trop la merde. Qu'est-ce que tu dis? Parle-moi. Tu joues à Age of Empires 4? Hein? Tu joues à Age of Empires 4? De manière générale? Oui. Pas du tout. Ok. Parce qu'on est en train d'organiser un truc là. Je vais prévenir Maf. Ok, je suis en train de voir pour... je contacte les gens, désolé, je parle pas beaucoup. Mais je suis en train de voir pour contacter les gens. Hein? Ouais, c'est l'enfer, mais c'est peut-être le serveur, je sais pas. Je sais pas. Mais attends, là j'organise, regarde. J'organise le Age of, là. Je demande à Eventis. Kaneto a triché, il avait les réponses sur Discord parce qu'il surveillait son site. Bah tiens, va. C'est du propre, ça. Ok, donc Maf a Age of de près. Je vais le call. Je vais le call. Allô? Allô, monsieur? Bonjour. T'entends? C'est bon, je suis là. Je t'entends. Oui. Ok, bon. Ça va? Oui. Et toi, ça a été? Oui. Très bien. On a ouvert des cartes Magic. C'était rigolo. Ah. Alors là, je suis en train de voir pour organiser le Age of. Fred ouais. A dit qu'il était chaud, mais genre, c'est chaud si on le fait genre maintenant. Ah ouais, moi, je suis là. J'ai demandé à Eventis. Mais je crois qu'Eventis... Oh putain, Eventis, il est en soirée Magic. Ah, le bâtard. Oh, ça dégoûte. Il est en soirée Magic. Il y avait Skok qui était chaud potentiellement. Pour AOE4 maintenant. À voir. Non, un message dans le canal général du Discord. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Ouais. J'envoie à tout le monde. Vas-y, hein. J'écris à tout le monde, je demande à tout le monde. JD est revenu. Ouais, je sais, je lui ai parlé. Ah, il a un problème de Game Pass. FCA est en train de se dire. Okay. Du coup, tu veux nous rejoindre? On est où? On est sur Discord là. Attends, je vais ajouter Pressea. Ouais. Hop. Ok. Est-ce qu'on met quoi? Ah, ton micro est ignoble. C'est peut-être pas la bonne source qui est dans Discord. Ouais. Du coup, on joue quoi? C'est en train de se regarder là, ouais. Ouais, avec qui? Alors, il y a Maf, il y a moi, il y a potentiellement Skok.
Y a potentiellement Prestea qui est en train de mettre le truc. Et voilà. Combien de temps ça dure? Bon, en vrai, je pense une petite heure. À une heure, carrément. Ok, je sais pas ce que je sais pas quoi. Je te cache pas que si tu bail out, je pense que le projet tombe à l'eau maintenant. Allez, ok, j'arrive. Ah. Jeff 4. Ouais, Jeff 4. Ok. Je vais ajouter Skok. Hop. Ah, Maf, il a raccroché. Maf a raccroché. Pourquoi il a raccroché? Ok. Okay. Ah là c'est bien là, ton micro il est bien. Il est bien mon micro là? Ouais, il est nickel. Du coup c'est mon micro. Nickel, nickel. Ah nickel, ça me rassure. Putain, j'avais un peu la haine. Bah, c'était ça la dernière fois, c'était moi qui avais le micro de merde du coup ouais, quand on sûrement. Faisait Golf Beat. Sûrement, sûrement. Le 1v1 contre StarCraft au moment a déjà eu lieu. Non, il n'a pas eu lieu parce que Moment s'est réveillé très tard. Moment s'est réveillé à... Ah oui, il est arrivé super Moment tard. Bon. S'est réveillé à 16h du mat. Ouais, tard. Oh, 16h du mat. Ouais, tard. Il s'est réveillé très tard. Donc non, je n'ai pas eu l'occasion de faire du StarCraft. Juste, donc, je vais venir faire Age of Empire 4. Comme Moment est un homme de la nuit, si je suis un petit peu... Non, mais t'inquiète. Si je suis motivé, je le ferai. T'inquiète pas. T'as dit quoi? Ouais, il s'est couché après 10 heures. Allô. Oui, c'est normal. Remaf. Bonsoir. Bonsoir. Coucou Skok. Alpha, j'ai un problème. Oh non. Microsoft me met une restriction d'âge pour Age of Empire, je comprends pas. What the fuck? Une restriction d'âge? Bah oui, salut. C'est au-dessus des restrictions de mon compte. Je regarde, je cherche. Ok, je vais aller sur le lobby. Pas de yaourt. Ça me fume les quand des gens répondent sur leur setup. Salut, Harry. Oui, me faire frapper. Ça a l'air, Ça... Ouais. C'est des pâtes au yaourt. Oh putain, c'est quoi ce truc de dégène qu'ils vont manger là? Alors attends. Je regarde sur le Discord là. Il y a l'incus qui pourrait non jouer. Ouais, regarde, je l'ai fini en entier. Hein. Ouais. Ouais, ça va. C'est délicieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est validé. Ah. Mais t'as combien de... Bah, mais disons que dans une situation de crise alimentaire, tu vois, ça serait possible qu'éventuellement... 9. Ouais, voilà. Bah, ça... Oula, mais j'ai le tuto, moi. Super, merci. Ah non, mais je suis pas obligé de refaire le tuto, quand même. Putain, mais attendez. Ok, il y a Melkor qui va nous rejoindre aussi. Ils vont quitter la partie, oui. Les pâtes au yaourt. Ok. Je dèle le jeu, il me reste la moitié. T'inquiète. Alors, je sais pas pourquoi le jeu il m'a reproposé un tutoriel. Oui, moi aussi le jeu m'a reproposé un tutoriel, ouais. Pourquoi Moment est à poil? Moment est à poil? Moment est nu? Pourquoi Moment est nu? Ah oui, Moment on dirait qu'il est nu, oui. Oula, Moment. Au secours. Akaya veut nous rejoindre. Ok. Attendez, je regarde. Et pourquoi pas? C'est vrai, après tout, et pourquoi pas? Vous avez raison. Hop. Ouh là là là, il va y avoir de la chantilly sur la tête des gens. Oh, j'ai la flemme. Alpha. Oui. Quoi? Vas-y, attention derrière toi. Oula, il y a peut-être un moment demain quand t'arrives, je t'attraperai pour faire les répètes de la. Ça marche. Ok. Ouais. Salut. Ouais, ça marche. Salut. En gros, c'est. Oula. T'arrives à quelle heure, toi? T'arrives à quelle heure, toi? Moi, j'arrive à 11h. T'arrives à 11h? Ouais. Vous partez vers quelle heure, vous, la nuit, vous? Ok. Moi, je pars tôt, en vrai.
Mon une heure du matin. Ouais, une heure. Non, 4. Ah, on refusait de manger. Ouais. Qui ont goûté mais qui n'ont pas validé. Ah, ouais. Et t'as fait goûter combien de personnes? En vrai, là, la plupart. Il y a une majorité qui ont accepté. Ok. Et chat, je suis désolé, mais je vais pas jouer à Age of Empires. En vrai, il y a de l'ail. Ah oui, il y a de l'ail. En vrai, ça En vrai, ça ressemble un peu à du boursin. Pourquoi ça, tu vas pas jouer à Age of Empires? Ok. Trois d'un coup. Ah. J'ai la flemme. En fait, je suis trop déçu parce que normalement c'était Siv qui était prévu. Je sais pas si c'est bon. Et ça a été Dodge. Et en vrai, j'ai. Ah, y a pas de partie de Siv qui est prévue finalement. Bah, c'était prévu normalement, c'était ça. Et en fait, je sais pas pourquoi. Donc en vrai. Soit tu valides, soit tu valides pas. Ça passe, mais c'est trois fois. C'est le but. Désolé, ah, Maf. Ouais. Il est là le problème. Oh. C'est pour l'été. C'est un plat d'été. C'est un plat d'été, mais c'est lourd. Je comprends. Ouais, mais ça cale au moins. Ouais, mais bah, le froid. Moi, j'ai un problème avec le froid. Mais sur le principe. Vous m'emmerdez. Genre, ça va, mais je réchaufferai. Mais ça va. Et là, c'est validé ou non? C'est mi-validé. Bah, c'est pas validé. C'est mi-validé. Ah, mais non, mais c'est validé pas... si c'est chaud. Ah non, mon dieu. Ah, ça y est, j'ai compris ce que c'était. Si c'est chaud, ça doit être validé. Donc non, il faut pas arrêter. Ah, on est en train de bouffer des pâtes au yaourt. Ah, je suis désolé. Ah, au yaourt, c'est vraiment pas pourquoi. Oh là là, ça a l'air dégueulasse. Merci beaucoup. Pourquoi? Alors, c'est des pâtes au yaourt. Putain, le pharaon là. C'est vraiment assez. Regardez, viens voir. Viens voir. Viens voir, Juice. C'est vrai, moi Juice va pas. Vous allez voir, Juice est trop stylé. Je lui ai fait plaisir comme un enfant qui m'a montré son dessin, tu vois, et tu le regardes et tu dis que c'est beau, quoi. Mais. Oh, tout en camion, c'est lui. Tout en carton. Bah, c'est bon, c'est fini, c'est téléchargé. Magnifique. Putain, c'est pas mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, mais elle se casse. Je me casse, désolé. Bisous, amusez-vous bien. Alors, attends. Ouais, merci. Alpha C. Je voulais pas partir comme ça, oui. C'est bon, oui, je peux partir. Oui, au revoir. Allez, bon. Bonne merde pour la suite. Il a trop de flow. Ok. Jaffa, crie. Jaffa, crie. Ah, j'en ai marre, c'est ballon. Bon, Alpha. Oui, je suis sur le jeu. Qu'est-ce qui se passe? On est plus que 4. Pourquoi on est plus que 4? Parce qu'après ça, c'est barré. C'est à Dodge. Ok. Alors, si on est 4, c'est au cas. Il y a Melkor qui est chaud. Je l'ajoute. Ça fait 5. C'est bon, et... j'ai hacké l'application. J'arrive à installer le jeu, il m'autorise. Ah, bravo, mec. J'étais sûr que t'allais y arriver. Un pirate. Ah. Si, je veux dormir. Kaya, c'est pas ok pour elle si c'est. Elle a dit une heure, Kaya, donc c'est mort. On est 5. Coucou, Melkor. Ouais, justement, bah si vous êtes 5, c'est parfait. Moi, j'ai 28 minutes de DL. T'as 28 minutes? Ah, 28 minutes de DL! Eh, bienvenue en Angleterre. Hein. Ah, c'est finito. Ah, va-t'en. Hein. Eh, bah, on fait à 4. Allez, on part à 4. Voilà, c'est pour ça que je te dis, voilà. Bye bye. Pardon. Non, bah, non, bah, là, non. Désolé, Melkor. Mais vous êtes qui se réveille maintenant? Ouais, en fait, c'est quand tu l'installes. C'est quand tu l'installes, en fait. Mais... Ouais. Kaya aussi, c'est trop long malheureusement pour elle, pour DL. Comment on coupe le tuto? Tu peux quitter la partie directement. Tu fais quitter la partie. Non, mais là je suis dans une partie que j'ai fait escarmouche et il me remet tous les trucs. Veuillez cliquer sur le villageois machin. Je suis dans une bête escarmouche. On te rejoint comment? Tu fais échappe. Je vais créer la game, vous pourrez me rejoindre directement, je crois. Est-ce qu'on s'est en ami? Ouais. Oui, Maf, je t'ai. Fred, je t'ai pas en ami? T'es connecté? Tu me détestes. Est-ce que t'es connecté? Je suis connecté sur Steam, oui. Oui, mais est-ce que t'as lancé le jeu? Ah non, j'ai pas lancé le jeu. Ah bah ça c'est pas sûr, ça serait atteint à mon départ. Bon début. Skok, je t'ai pas sur le jeu, je pense. Pas sur le jeu? Enfin, je t'ai sur Steam, mais je t'ai pas sur le jeu. On a déjà joué à Age of ensemble, donc à mon avis, tu vas sur le jeu. Oui, ça, toi, je t'ai, y'a aucun souci. Oh, le piège. Comment ça, le piège? Non, je devais aller, j'avais dit à Mintos, je vais partir en même temps que toi, et là, je lance une. Non, mais t'inquiète, c'est le bon moment, c'est bon, c'est ça qui est bon. T'inquiète même pas. Mais ça, le truc, c'est que tous les jeux intéressants, tous les jeux qui m'intéressent, tout le monde les lance à 23h59, quoi. Mais c'est les jeux de vieux, c'est les jeux de l'emmerdement, c'est la nuit, hein, c'est pas à 20 midi. Moi, je m'emmerde la journée, je suis désolé. Ok, Maf est dans la game. Maf, par contre, il était comme ça. Il était comme ça, au taquet, aucun bug. Au taquet, mais moi j'attends ça depuis 18h. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il est 23h.
comment ça se passe, Coq, oui, là, pour toi? Bon, je préfère pas te dire, Alpha, c'est peut-être mieux pour ta santé mentale. 5%. Attends, quoi? Ah non, mais... Je sais pas. Il télécharge le jeu, je suis fibré. Bah, il est pas 23h59, quand même. Ah, et alors... attends, et c'est, après... ça dit 5%. Ouais. 12. Ah, attends, entre le moment où t'as dit 5... Non, et maintenant, il y a deux téléchargements, il est séparé en deux, tu vois, genre le jeu et après l'édition, le pack de textures. Il faut faire le tuto là, c'est quoi cette arnaque? Non, tu peux quitter le tuto, moi je l'ai quitté direct. Oh, okay. 15% du coup sur le jeu. Ah, et ça va vite? Ça dépend, en vrai tu veux en faire combien de games? Ah, une game là, c'est une game. Et zoo au dodo. Ah, en vrai, ah ouais, bah. Ah ouais, pas, hein. 15%, c'est ça le projet. Ouais, en tout cas, c'est mon projet. Bon, ouais, très bien, très bien. Ok, alors attends. Non, mais c'est simple, parce que tu me dis, tu estimes à combien de temps le temps de honnêtement, DL? Honnêtement, ouais, entre 10 et 15 minutes. Tu vois, là, il est à 16. Ça télécharge pas vite. Hein. Ça nous laisse le temps de faire une petite sieste, puis on fait la partie, puis on va dormir. Alors sinon, j'ai Age of Mythology. Ah ouais, mais non, là-bas. Mais... Ah putain! Ah ouais, mais non! L'embuscade! Alpha qui m'a pris en embuscade sur le stream de Ultia! Ah, je t'ai bien eu là! Vous connaissez StarCraft 2 ou. Ouais. Ouais, on connaît bien, ouais! Eh ben oui! Du coup, 20%! 20%? Ok! Ouais. Déjà, Fred, est-ce que je peux. Ah oui, ouais, Fred, je l'ai dans le jeu, donc on va même pas avoir à attendre parce que Fred, c'est bon! On est dans la game avec Maf et Fred là! Ok! Oui, ça y est, Fred est dans la game. Oui. Ok, on a plusieurs options. Soit on se lance une 3v3 contre 3 IA, en mode vas-y, on redécouvre le jeu et tout, c'est rigolo, on clique sur les villageois. En mode game de chauffe. Et genre, demain, on fait une game avec Skok en mode je vous donne une heure et à telle heure on y est et on joue. Soit on attend 15 minutes Skok et dans ce cas-là, JDG me déteste et me bloque. Ah, ça va être compliqué si on lance dans 15 minutes, ça fait super tard et j'aimerais bien rentrer appeler mon épouse, genre qui j'ai pas parlé aujourd'hui, qui m'a envoyé un message glacial tout à l'heure sur Discord, ce genre de choses. Je veux vraiment pas être mêlé à ça, hein. J'ai arrêté l'installation du jeu, je suis à 0% Alpha. Bah passe lui Skok, téléphone-lui et passe lui Skok, dis-lui c'est Skok. Sa faute. Ok, Skok, juste par rapport au truc avec Trivia et Juice, c'en est où là? Bah, je sais pas, en fait, je vous vois, tu vois, genre, je vous envoie les DM, j'essaye de caler indirectement, mais en fait, on va faire un groupe, ce sera plus simple. Ouais. Oui. Ok, bon, Skok, on voit demain. Comme oui. Ça, il n'y a pas de soucis. Et... Alors, ouais, demain, ça quand, parce que demain, il y a plein de trucs, à plein de moments, ça et va oui. être l'enfer. Ouais. Bah. Parce que moi, par exemple, à 16h, j'ai le quiz du grenier qui joue jusqu'à 19. À 19, il y a Dylan Dawson et vous êtes tous. Ah, mais ce sera avant, hein. Ce sera avant, je pense. Moi, je pense plutôt un truc autour de midi ou autour de 14h. Ah, en vrai, ça peut cool. le faire. Ça peut. Midi. Alors, 14h, il y a le tournoi des Sims de Ultia, par contre. Donc, c'est midi. Bah, midi. Super. Midi bah, 30. Midi. Midi 30. Pourquoi midi 30? Midi 30, parce que peut-être un peu juste, j'ai un truc à faire un peu plus tôt. Mais midi, tu vois, genre. Envie de vous faire attendre, okay. Si tu fais un peu en retard. Vas-y, on peut partir sur. Oh okay, putain, moi j'ai un truc à midi 30. Ah, j'ai un truc à 13h au secours. Non, mais si, midi 30, ça le fait midi 30. Midi 30. Pour avoir fini avant 13h? Faut souffler. Non, faudra finir. Mais non, c'est avant 14h qu'il faudra avoir fini. T'as pas un truc à 13h, t'as dit? Non, mais le truc à 13h, je peux le faire avant. Ok, d'accord. Donc, non, c'est ok. Bah, ok, on se dit midi 30, Skok, alors. Nous, on va lancer une game contre IA tranquille. Et, ouais, et voilà. Et bah, à demain, amusez-vous bien. Merci, des bisous. Désolé Skok. Ah non, mais c'est moi, désolé. Non, mais t'inquiète, c'est nous, on t'avait pas prévu à l'avance. Donc, non, arrête, c'est cool. Moi. C'est cool, mais c'est con parce que j'ai envie de le faire. C'est pour ça que je suis écartelé entre mon envie et ma raison. T'inquiète. Demain, midi 30. Yes. Allez, ça roule. Let's go. Moi, je veux bien appeler ta femme si tu veux pour des amants. Bonne soirée, amusez-vous bien. Ouais, c'est pas la première fois que je Alors, la map, une bonne petite map. On va se faire une petite. La place. Ouais, de la place, oui. On va se faire les hauteurs d'or, tiens. Ok, hauteurs d'or, géant 8 joueurs. Plein d'or au milieu. Moyenne 6 joueurs. Équipant. Bah, il a quitté Fred. Mais il a quitté. Fred. Mais il a pas compris, Fred. Fred. Ha ha ha!
Alpha qui est parti le rechercher par la peau du dos. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, meuf. Bon. Oui. Fred, il était en mode, ah, mais j'ai pas compris. Et là, après, il était en mode, ah, oh, mais non, mais là, c'est terrible. Psychologiquement, je ne suis plus dedans, c'est fini. Il est déjà sans son lit. Donc, mon bon maf. Alors, je fais petite opération. Ah, carrément. Et non, mais en vrai, là, c'est soit on joue comme deux couillons à Edge of contre l'IA maintenant, soit on joue demain à 12h30, mais en mode, c'est organisé, je préviens tout le monde à l'avance, et vas-y, on joue à 12h30 sans faute. Ouais, et là, on peut aller se faire la game de chauffe ce soir. Tu veux faire une petite game de chauffe maintenant? Bah, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, moi, je me dis, il faut garder ce petit instant Nutella où tout le monde ne sait plus jouer au jeu et tout le monde est en PLS demain à 12h30, oui, tu vois. Oui, c'est rigolo pour ça. Je comprends. Je comprends. Il est vrai. Qu'est-ce que tu préfères? C'est vrai. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Faudrait pas que je devienne trop puissant. Ah, par contre, toi, tu peux. Après, il a même pas fait semblant une seconde. Non, mais ok, très bien, allons en mode opération. Pas de soucis. Hein. Non, mais en vrai, si tu veux qu'on game maintenant, on peut game maintenant aussi. Hein. Non, moi, mais je t'as te raison. Sentais ne, bien ne parti. Jouons pas. Surtout que je pense que JDG n'a pas joué non plus au jeu depuis longtemps, comme nous, donc c'est bien. On sera sur un pied de d'égalité. Il va râler sinon. Oui, ouais. Allons découper des tyrannies de. Voilà, pour nous détendre. Celle que je vous ai fait échouer lamentablement hier. Ah oui. On peut faire celle-ci. Je plus sois. Allez, ça part. On va se détendre. On va mettre derrière nous cette organisation catastrophique que je viens de vous faire là. Et écoute, c'est l'impro The Event. Hein. C'est trop dur. C'est tellement dur aux The Event. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Oui. Mais c'est pour ça que moi je m'étais dit, je vais faire mes petits jeux en solo tranquille, et puis quand il y a des ouvertures, bah on fait des trucs en multi, et puis c'est bon, et ça marche très bien. Ah oui, complètement. C'est sûr que c'est plus facile d'organiser un truc à 3 sur Space Marine qu'à 8 sur Age of Empires. Oui, tu m'étonnes. Bah en fait, si tu veux organiser un truc à 8, il faut le prévoir un mois à l'avance, quoi. Ouais, non mais là je vais envoyer des messages aux gens, j'ai envoyé un message à Kyria, j'ai envoyé un message à tout le monde dans là. Bah oui, tous ceux qui pouvaient être chauds, ouais. C'est ça, et Zou, ça part. Il y a clairement moyen de se faire un 4v4 d'ici demain, hein, si les gens le savent. Ah oui, non mais je vais les prévenir. T'inquiète pas, tu nous as pitié à mieux niveau alpha niveau organisation. Oh, pas vraiment en vrai. Là c'est de l'impro, hein. Bon. C'est de l'impro, et puis j'ai déjà fait pire, hein, vous inquiétez pas. J'ai déjà fait des trucs où j'avais oublié complètement. Ok. Bon. Ouais, on peut changer la catégorie pour les drops, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Linkus, demain, 12h30, ça te dit Age of Fight nous? Je vais proposer à pack des gens aux events, hein, parce que sinon je pense qu'on va jamais y arriver. Donc Linkus, si tu veux faire un Age of avec nous demain à 12h30, vas-y. Surtout, ne joue pas au jeu d'ici demain, comme ça on sera tous nuls à chier. Ah, mais Linkus, il lançait le jeu aussi. Bah Linkus, tu veux jouer avec nous, vas-y. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas joué avec toi. Mais t'as débloqué le mode opération? Ouais, Space Marine. Ah bah oui, mais je crois que... Est-ce qu'il a besoin, lui, pour nous rejoindre, nous? C'est du moment que toi, le leader, tu l'as, c'est bon, non? Bah je crois bien, ouais. Attends. Là, je vais l'ajouter au call. Je te rejoins. Ah, il a unlock. Bah, je l'ajoute au call. De toute façon, je pense que c'était ok, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Oh là là. Ok. Comme prévenir d'un JDR 3 jours avant. Oh, ça par contre non, j'ai jamais fait. Prévenir d'un JDR 3 jours avant. Alors là, bonne chance. Hein. Ah non, maf, le JDR 44, vous inquiétez pas que je lui en parle depuis un an, deux ans. Oui, bonjour. Oui. Coucou. Bonsoir, monsieur Linkus. Comment allez-vous, mon plus beau Z-Event? Très bien, et vous? Bah écoutez, ça va. Moi je fais du PVP sur Space Marine 2, je m'éclate. Ah, t'as vu, il est bien, hein. Ouais, il est cool. J'ai toujours pas fini la campagne, par contre, parce que je l'ai fait en live, mais... Ah oui. Mais non, je kiffe bien, écoute, hein. Vraiment cool. Là, ça me fait une pause, comme ça. J'étais en train d'écrire un petit JDR 40K, là, qui arrive bientôt, donc là, ça me fait une pause. Mm-hmm. Un petit JDR 40K qui arrive bientôt. Ah ouais, je reviens. Tu nous en... Il y a eu plein de dons, merci. Merci beaucoup, Pichou, pour les 20 euros de dons, Carlac le sang. Merci le bon Vésimir pour les 10 euros.
en avant depuis Kermorène, merci à toi. Windbeg, merci pour les 50 balles de dons, merci beaucoup. Pour l'Imperium et la bonne cause, merci à toi. Blue Teal Gem pour les 20 euros de dons aussi. Zeimo pour les 100 balles, merci beaucoup Zeimo. Pélican pour les 5 euros. Edol pour les 30 euros. Babou pour les 20 euros de dons, merci Snowmass pour les 20 euros. Momox pour les 10 euros. Kyriox, merci pour les 100 euros de dons. Merci à toi pour ton don très généreux à la cause. Clémence pour les 20 euros de dons. Et Flocon, merci pour les 10 euros. Merci beaucoup les copains. Non, on n'est pas obligé de faire de finir la campagne multi pour jouer à Titus. Non, non, on n'est pas obligé. Pour jouer en opération. Tu as juste besoin de faire les deux premières missions pour débloquer l'opération et le PVP. Merci beaucoup Aldebaran pour les 50 euros. Petit soutien et pour te dire, ça fait tellement du bien toute cette ambiance du This Event, un vrai bol d'air qui m'avait manqué l'année dernière. J'ai le smite depuis hier, comme j'en avais plus depuis un moment. Merci beaucoup Aldebaran, ça fait trop plaisir. Merci à toi. Et merci Pierre pour les 100 euros pour te consoler du AOE raté. Merci pour ta bonne humeur en toutes circonstances. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi pour ton don. Merci. Oui, ça devait être du AOE, mais il y a eu un souci d'organisation. Du coup, on va faire ça plutôt demain à midi et demi. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, j'arrête pas de vous le dire. Ouais, la quand machine. Quand Maf, tu arrives à rejoindre? Attends, ça a bugué de nouveau, je relance. Je suis en train d'essayer de te rejoindre là, mon cher Alpha. C'est ah sur ta oui, barre, des là, fois là. Ouais, je suis oui, sur ma la barge. La connexion, il pédale dans la choucroute parfois. Au pire, on va peut-être aller sur la barge de Maf si la mienne bug. Parce que tout à l'heure, Eventis galérait aussi à me rejoindre, c'était bizarre. Ouais, là, mais non, mes connexions serveur en cours, en boucle, je peux pas ouais, te rejoindre. Annule. Ok, abort. Bon, on est d'accord que pour lancer le jeu, enfin pour arrêter le jeu, à chaque fois je suis obligé de forcer l'arrêt du jeu. Genre je peux pas, quand je quitte le jeu, je peux pas juste le quitter, je suis obligé de lui dire. Ouais, moi aussi, moi aussi. Bon, il y a encore quelques bugs, hein, mais de toute façon, oui, ils vont faire un gros patch day one, je pense. Non, les connexions et tout, c'est encore un peu compliqué. Ouais. Ouais, aussi, event 2022 et Job, c'était l'enfer aussi à organiser. Toutes les classes sont cool, hein, en PVP, hein. Pour le coup. Ouais, mais juste le sniper où je suis pas hyper. Ah, moi je joue que sniper, mec. Ah ouais? En fait, j'adore arriver fufu et être au couteau derrière les gens et les chasse. Ah, mais t'arrives à les tuer quand même? Ah oui, bah je fais que mes kills comme ça quasiment. D'accord. Et après, je joue assaut parce que j'ai le gros marteau et que c'est marrant et que j'ai vu qu'on pouvait débloquer des points de Marcel Gagouel, donc j'avoue que. Je suis sur ta barge, Maf. Tu peux rejoindre Maf, Linkus. Je rejoins Maf. Mais voilà. J'étais en train de rejoindre la tienne. T'es sur la mienne? Ouais, je suis sur la tienne. Ils ont échangé de barre. Chez moi. Ils ont échangé. On échange nos vaisseaux mères. Ah oui, ça va tout de suite mieux. Au téléphone, en train de se chercher. Bah t'es où? Bah je suis chez toi. Et toi, t'es où? Bah, moi aussi, ça. Je suis chez toi. De fou. Oh no. Bon bah je suis arrivé, hein. Sélectionnez une classe. Qui joue quoi, vous, de votre côté? Bah, toi, qu'est-ce que tu joues, toi? Bah, moi, je joue soit assaut, soit tireur d'élite. Mais tireur d'élite, c'est en PVP, donc j'avoue que si, en opération, j'ai jamais fait d'opération encore, donc. Bah, tu verras, opération, c'est sympa. Moi, je vais jouer. Ah, oh, je joue mon petit Vanguard, moi. Je vais continuer de le pex. Bon, vas-y, parce que le farming est quand même solide, hein. Il y a de quoi farm, hein. Il y a de quoi farm. Aircast. Oui. Très belle capuche. Ah non, mais attendez, non, ce n'est pas moi, vous vous trompez. Quoi? Ah, attendez, moi je vais me changer également. Ah oui, changez-vous, ouais. De grâce, changez-vous. Ravi de vous retrouver. Ah, ravi de vous retrouver aussi, frère. Ah, voilà monsieur, là, voilà frère Linkus. Frère main de métal. Comment va votre Primark main de métal? Est-il sur son vaisseau main de métal? Attends, je peux pas changer. Quoi ces conneries? Ah, c'est là. Chercher la bagarre. mais non, et enfin. Comment va notre Primark main de métal? Est-ce que vous cherchez à remuer le couteau dans une certaine plaie? Pardon, ça m'est sorti de la tête. Quel enfer! Ah putain, il enfonce le clou, l'enfoiré! Ah, mais où avais-je la tête? Excusez-moi! Mais où avais-je la tête? Mais j'ai rien. Le ah, en fait, bully ça m'a... absolu. Ah, le passif agressif de cet homme. Ah, pardonnez-moi. Bon, après, c'est pas comme si mon maître de chapitre était mieux. Hein. Un peu dead. C'est hein. Pas faux. C'est Gizmund Quick. Ah oui. Je prendrais bien dans le mémoire, mais on n'est pas dans Eldivers. On peut juste faire. Voilà. On peut juste faire ça. Désolé, je me refais mon skin de kéké. Hein. C'est vrai que par contre, mon Primark aurait besoin d'un coup de main aussi. C'est vrai que ça pourrait l'aider. Mais lui, il est peut-être pas mort. On sait pas.
Ton Primarque, du coup, attends. Rogaldorn. Ah, mais oui, mais lui. Oh oui, est-ce qu'il va revenir, lui? Bah, oh, il va revenir, lui. Moi, j'y mettrai ma main à couper qui reviendra. Oh, il est motivé, hein. Il est, on est en plein Z-Event, 23h15 et Alpha, il est au max, là. Ah, je suis chaud. Il est à fond, en fait. Je suis chaud, je donne tout, là. Je suis en Space Wolf, hein. Désolé. Ah, c'est à vous, chef, de choisir donc la, vous êtes la les... mission. Oh, vous êtes les deux fufu. Ouais, je suis très fufu, moi. Il est très fufu, ouais. Je suis très fufu, hein. Moi, c'est genre hurlement interne. C'est la 3, hein. La 3, oui, 13. Attends, c'est quoi le niveau de difficulté, là? Faut mettre 2. Là, j'ai minime. Non, non, faut que tu mettes au-dessus. Faut que t'annules la, la mission. Ouais, 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 je renule, j'annule. Ah, mais en fait, t'as 2. Ah oui, modifier 2. Dos. Et on est parti pour la 3. Voilà. Oui. On a bon, attendez, attendez, je vais juste voir un truc sur mon loadout. En fait, t'as pas du tout les mêmes trucs, en fait. Les mêmes trucs de quoi? En fait, il y a des apparences d'armes et de skins que j'ai en PVP que je ne oui, retrouve pas. Oui, ils ne sont pas là. Oui, totalement, c'est normal. Ah, PVP, PVE, c'est pas la même chose. Pas les mêmes skins. Et tu peux pas effacer des. Ouais, tu peux pas effacer des ensembles que t'as déjà équipés aussi. Ça, c'est chiant, ça. J'ai pas mon ensemble de Dark Sasuke là? Ah, si, il est là. Oui, pour ceux qui demandent, pour le jeu de rôle 40k, les deux rediffusions sont sur la chaîne YouTube d'Alpha. Hein. Tout à fait. Chaîne principale, hein, pas la chaîne de rediff. Oui, elles sont sorties, hein. Vous pouvez les voir. C'est beau. Ok, je suis prêt. Bon, vas-y. Vas-y, j'arrive. Here we go. C'est déjà lancé, non? Ou est-ce que j'ai un truc à faire? Il faut que t'ailles, tu fais tab, tu peux aller dans la zone. Tu fais tab et bête de lancement, ça te TP dessus. T'as pas besoin de faire le chemin. Un petit oh, assaut monsieur. Par contre, je crois que merde, ça a peut-être pas pris mon arme, mon gros marteau. Bon, c'est pas grave. Un gros marteau. Bon, tu pourras le changer sur les trucs. T'as peut-être un set qui est prêt. Sergent, il faut choisir une mission. Comment ça, faut choisir une mission? Ça indique que vous êtes pas dessus. Wait, what? Je suis là, hein. Se rassembler, je suis ici. Attends, mais c'est bugué, ça indique que Maf n'est pas dessus. Bah là, actuellement, il est pas dessus, oui. Une mission est déjà sélectionnée. Ouais, il faut que tu viennes sur le truc. Mais what? Mais pourquoi ça compte pas? Ça te compte pas? En attente de frères de bataille, 106 secondes. Mais. Je peux pas être plus dessus, là. Ah bah oui, on est d'accord. Attends, annule la mission. Je la relance? Ouais, relance. Attends, la cuisse, reviens! Ouais, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Tu peux te TP. Oui, t'inquiète. I know. Vas-y. Hop là, allez, tout le monde dessus. Mais putain, il détecte pas le poids de l'Iron Hands! Mais bordel! Mais merde alors, c'est quoi ce bordel? Mais la plaque de pression, elle déclenche pas! Ah oui, il y a écrit que t'es niveau 0. Qui ça? Ah, sinon, on peut attendre le timer, j'avoue, on va voir. Ouais, c'est bizarre, ouais, t'es niveau 0. Qui a une blague? Moi, j'ai une blague du pingouin, si vous voulez, mais... Un mec de la Death Guard. Blague du pingouin. Oh, putain. Ouais, c'est un pingouin qui respire par le cul, puis un jour, il s'assoit sur la banquise et il meurt. Moi, j'ai c'était la... Je l'aime toujours autant. Il y a celle de la poule aussi. Personne ne me touche. Personne ne me touche. Abattez la citadelle. Abattez la citadelle. N'écoutez jamais personne. Bien sûr. Ce remix avec le Elden Ring là. Il est tellement parfait. Il est tellement ouf. Abattez la citadelle. Avez-vous essayé de débrancher et rebrancher votre Iron Hands? Oui, j'avoue. Ah oui, il marche pas notre Iron Hands. Mais oui. Il a plus de piles. Mais plus, il a plus de piles. Il a plus de piles, notre Iron Hands. Alors, excusez-moi, monsieur. Attendez pendant 30 secondes. Mais de toute façon, et rebranchez-le. Auriez-vous du riz pour tremper mon Iron Hands à l'intérieur? Non, j'ai pas de riz. Non, mais frère Space Wolf, de toute façon, les Iron Hands, c'est toujours pareil. Ils prennent la tête. Mais bordel. Ils sont toujours très prises de tête. Je dirais même qu'ils sont parfois tête en l'air. On va pas se prendre la tête là, on va attendre. C'est un vrai défaut qu'ils ont, ils sont très très tête en l'air.
Et puis la moindre blague, ça leur passe au-dessus de la tête. Hein. Ouais. Ah, ils boudent, hein, par contre. Ils boudent, je crois. Ils boudent. Je vais vous fumer sur cette génération. Ah, c'est bon, c'est parti. Faut expliquer la blague pour les gens qui n'ont pas la ref de la joke. Les Iron Hands, leur Primark s'est fait couper la tête par Fulgrim. Voilà. Le Primark des Emperor's Children. Et donc. Les blagues. C'est vécu comme un traumatisme chez les Iron Hands. Ça les a quand même fortement marqués. Un traumatisme crânien. Oui, ben oui. Quand ton leader, chef charismatique Primark se fait décapiter, oui, je pense que tu. Ah, malheureusement, non, il n'y a pas de tiramis. Ah, c'est bien dommage. Ça a fait tourner les têtes, hein. Oh putain. Oh, ouais. Aucun Ironen n'a mal au crâne, hein, par contre, ça c'est. Ah non, ils ont remplacé leur tête par des augmentiques. Full doliprane pour tout le monde. Ah oui, l'histoire leur reste en tête, hein, clairement. Mais putain de merde, mais quel enfer. Arrêtez, vous allez invoquer le trauma, arrêtez. Laissez-moi tranquille et laissez-moi manger mon sandwich avec ma tête pressée. Oui, il s'est fait un petit sandwich, le maf. La transmission Vox n'atteigne pas la station du relais astropathique. La source des attentes. Ah oui, là c'est sandwich qu'il a dû prendre. Oui, mais comme toujours. Je pense qu'il y a moyen qu'il me fasse jouer que des croûtes ou que des trucs nuls. Si jamais on atteint le donation goal où tu dois faire. Où ta commu doit faire ma liste et ma commu doit faire ta liste. Je pense que ça va être cocasse. Non, mais d'office, ça va être. Ça va être des listes complètement cassées des deux côtés, vu que ce sera chez toi qui feront ma liste et chez moi qui feront la tienne. Ah, je sais pas, je pense que quand même, même chez moi, il faut essayer de te faire une bonne liste. Et les connaissants. Oh, le pack là-bas, là. Oh. Ils ont du tir. Y'a plus personne. Ah ouais. Meurs. Hop là. C'est vrai que ça détend, hein. Mais putain, j'ai appuyé. Oh la vache. Oh, le coup de marteau. Attends. Voilà. Hop là. Oh, c'est tellement agréable à jouer le Vanguard. Avec full parade là. J'ai plus de. Ah si. Pas mal. Par contre, ce jeu me fait découvrir plein de chapitres genre méga inconnus avec des histoires de fous. Des genre les Black Templars, tu veux que je te raconte le lore des Black Templars? Tu veux que je t'explique un petit peu? Non mais genre les Minotaurs, je sais pas quoi là, c'est une dingue. Ah oui, les gros bâtards. Ah, Alpha, tu sais quoi? L'audiologue que j'ai fait en solo avec le cultiste. Ouais. C'était dans la dernière mission de la campagne apparemment. Oh non. Moi je suis pas tombé dessus, hein, no spoil. Ah, on l'a pas vu. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Ah putain, c'est con, on l'a raté. On le trouvera. Quand on se fera le challenge difficulté max, quand ils vont sortir de la difficulté létale, hein. Hein. Ah, refaire la campagne en difficulté max. Mais y'a que vous, y'a que vous deux qui avez fait des audios dans le jeu. Ouais, en France, ouais. Trop bien. En anglophone, y'en a d'autres. Bah ouais, ils ont fait nos lignes, mais en anglais, quoi. Et dans d'autres langues aussi, hein. Je crois qu'ils l'ont fait dans... Je sais pas s'ils l'ont fait dans toutes les langues, mais... Oh, c'est beau ce que vous faites, là. Hein. Je crois que mon perso vient de te traiter d'imbécile. Ah ouais. Oui. Mais la voix de mon perso fait très Templar. C'est la voix de Kratos. Il est très vénère tout le temps. Oui, on est sur un bon registre. Hein. Bon, je vous laisse à vos trucs de bourrin, là. Oui, regarde. Get ça, regarde. Allez. Get. À vos trucs de bourrin, le mec, il a littéralement une DCA dans la main. Mais... Putain, ça a l'air fun le grappin quand même. C'est très très fun. Hop là. Ouah. Oh putain, mon backpack là, il met 1000 ans à se recharger. Là. Un manche chavre. Oh putain.
Ouh, y'a beaucoup qui arrivent. Un cul, ouais. C'est de moi. Voilà. Là, je suis bloqué. C'est bon, on les gère. Putain, il y en a beaucoup des guerriers là. Ah, il y en avait une belle vague là. Oh, il y en a encore quelques-uns. Bourré. Oh, le marteau, le feeling du marteau, il est incroyable. Oh, j'aime tellement foutre la caméra au ras du sol quand tu fais une exécution, c'est trop cinématique. C'est incroyable. Ah, j'avoue. J'ai plus de life et plus de balles, moi. C'est dingue. Moi j'ai plus de... Bon ça va. Le bouton. Bon, j'appuie sur le bouton. Appuie le bouton. Appuie le bouton. Le grappin colle pas trop au lore si. Ah si, les rivers ils ont un grappin. Ils ont un grave chute et ils ont un grappin. Il y a même ça sur leur figurine. Tout à fait. Le petit pistolet à grappin des enfers là. T'as la figurine avec, tu sais, le river avec le grappin qui est tiré oui, oui. Avec le câble oui, derrière. Oui. Quel enfer à déplacer! J'ai demandé à Julien de ne pas la monter comme ça. Ah, tu m'étonnes. Bizarrement. Le truc, oui, oui. Tu le mets dans une mallette, ça prend une place c'est de fou. Horrible, c'est vraiment horrible. Allons-y gaiement. Moi, j'ai trouvé l'enregistrement sur l'avant-dernière opération coop. Après le trou dans le sol accessible via un mont de charge, elle serait à plusieurs endroits. Éviter de spawn. Non, je pense pas, mais il y en a d'autres. Hein. Tu sais, il y a le log où on parle entre nous hein, aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a d'autres. Oui, celui-là, il est trop bien. Celui-là, on l'a pas trop. Il doit être en opération. Moi, j'avoue que. Oui, effectivement, on l'a pas trouvé. Celui où on se donne la réplique. Il y en a un à Alpha qui est au tout début, c'est le premier sur lequel on est tombé. Rodeur. Merci. Voilà. Le dieu du cultiste de Maf est dans le cimetière. Ah ok. Oula. Alors je m'en occupe. Je le grappin. Ah putain, je l'ai grappin mais il s'est barré en route. Ah j'ai plus beaucoup de mun mais. Toutes ces conneries. C'est bon. Ouais tu l'as. Allez tu craches maintenant, tu craches. Voilà. Tu te calmes. Très bien des munes. Ouais, moi je veux bien de la vie, moi, surtout, là. Un petit peu de vie serait pas mal aussi, mais... Attends, on n'a pas vu de mine, là. J'en ai vu au début, tout à l'heure, là, mais dans l'ascenseur, hein, pas dans l'ascenseur. Je change de chargeur. Ça canarde en bas, ici, ici, il va y en avoir, ici, il va y en avoir. Le duel mettant et vie, c'est si jouissif, ça peut être compliqué pour les munitions, par contre. Ouais, c'est vrai. En multi? Ah ouais, je sais pas. Le multifuseur. Non, il parlait du multifuseur. Ouais. Ah, il y a de la vie là, non? Par contre, faut vraiment que tes potes te cover. Ouais. Vraiment que tes potes te cover quand tu joues heavy. Mais assaut, c'est pas facile, je trouve. Hein. T'es pas si rapide et je trouve que le marteau tonnerre ne fait pas assez de dégâts personnellement. En fait, le gros défaut là que j'ai comparé au PVP, c'est on t'es où, meuf? En dessous, il y a des stimulants et il y a un bonus d'armure aussi. Attends, là où je suis, là où je suis. Demi-tour. Il y a bonus d'armure. Très et bien, y a... j'arrive. Mais en fait, là, par rapport au PVP, ce que je trouve plus dur, c'est que le jetpack si, est si, vraiment si, mis. Si. L'Incus, coucou ouais, hein. Munition ici, Incus. Enfin, Maf. Ouais. J'ai pargué. Vous avez fait la campagne en mode de difficulté, vous 3 Le 3 sur 4, je crois. Ah, vétéran, ouais. Ouais, c'est cool en 3 sur 4. C'était même un peu. J'aurais oui, limite, je pense en 4, on aurait pu réussir aussi. C'est quand même galère, hein, on a first try. Bon, on a first try la plupart des trucs. Hein. Bon, moi, j'en suis à la scène du générateur, là où t'as tous les tyrannides qui arrivent. En fait, on a. Oui, ça c'est pas facile. On a galéré aussi. Mais on a quasiment pas wipe hein, quand on a joué juste à deux. Après, non, hein. C'est vrai. Ah, tout seul, Lia elle mongolise. Hein. Ouais, elle aide pas trop, Lia tout seul. Ouais. Elle est très passive. Il te relève bien. Ah, j'y vais. Hein. Il y a une cache de munitions ici pour ceux qui ont besoin. Il y a de la vie aussi. Prendre la zone. Oui, il y a des villes en flammes là.
Ouais. Il y a du rubrique. Ouais. Faut se faire le sorcier avant tout. Oh putain, la jouissance d'exploser des corps là. Bah alors. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, la cuisse, t'as fumé le Tsangor qui me sautait dessus. Oh là. Oh, Alpha, il vole. Merci beaucoup, Sahili, pour les 10€ de dons. Et merci Anonymous pour les 10€. Force et courage pour bourrer les dons. Bourrer les dons, les amis, merci beaucoup. On est à 23 000 ici. 25 000, on laisse peindre les viewers. Enfin, les streamers du The Event. La figurine qu'on rappelle, on met aux enchères caritatives. Qu'on va mettre aux enchères pour le viewer qui a fait le top dont je crois que c'est Sora actuellement. Hop. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Vous en avez tout là ? Il y a un scarab occulte Terminator. Je l'ai. Menace éliminée. Oh, oh là. Oh là. Oh, je vais crever. Ah, la vache. Ok. Y'a du monde hein, quand même hein. Ouais, y'a du monde. Putain, les Tsangor, c'est solide de fou hein. Ouais, je trouve qu'ils sont trop tanky. Ouais, y'a what, faut interagir avec le truc, y'a what mille monde dessus là. Allez, stop. J'ai plus de munitions. J'ai plus d'armure. Lancera pas pareil. Merde, il s'était okay, vélo, j'arrache l'œil. Ouais, je vais crever. Hein. Hop, ça dégage. Y'a la cuisse. Oh putain, oh, je l'avais pas vu l'autre, juste en face. Aïe. Je suis au sol, comment s'appelle ce Pokémon là ? Marest ? Ah le bâtard. Ok, c'est bon. Mais... T'arrives à le res? J'arrive, je vais te res. T'inquiète. Ah oui putain. Ah ouais, il y a le sorcier là. Il y a le sorcier qui fait de dingues. On peut aller au corps à corps contre le sorcier ou c'est chaud? Ouais, on peut y aller. J'y vais, je me le fais. Oh, ce qu'il m'a mis. Ah ben. Il est où? Je sais faire aussi du corps à corps. Putain, bouffe ça. Oh voilà. Tu l'as fini? Ouais. Bien joué. C'est quoi ce... J'entends un singe derrière moi. Ah quoi? Je sais pas, j'entends le même bruit en boucle, c'est insupportable. Est-ce que le singe est parmi nous dans la pièce, avec nous dans la pièce? Et j'entends ouh en boucle, c'est insupportable. Ah ouais? Ah oui, non mais c'est dans la salle. Ah oui, d'accord. Dégadé. C'est moment qui fait ce bruit. Beaucoup de vie, moi. Ah, c'est inversé en opération. Ouais, y a un gibou. C'est ça, c'est un gibou. Hein, donc c'est ouais, donc ok. Donc en fait, en campagne et en opération, en gros, il y a le défaut sur les réacteurs. En fait, si tu fais une direction plus Y, tu vas en l'air. Et si tu fais pas de direction, tu vas tout droit. Alors que c'est l'inverse en PVP. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je. Ouais, les contrôles sont bizarres. Ah bon et les contrôles ouais, sont ouais. Très étranges. Inversé en. Prenez vos injecteurs. Un hôtel de plus. Ça dégage. Hop là. La vache. Non, il a pris la sauce. Il fait quoi, une craque? Non, une bombe à fusion. C'est mon cassé. Ah, d'accord. Oh la vache. Avec Alpha, vachement cool, moi, les Tsangor de Edge of Sigmar. Ah, ils sont les chiants, gros bourrins avec Alpha, là, tu sais. Ouais, on les a. C'était vraiment la bourrinade totale. Moi, j'aime trop les pétronçonneuses parce que t'envoies des gros coups comme ça en mode gros coup, grosse patate, gros coup de pied là, c'est vraiment ultra bourrin, c'est trop sympa. Moi, j'aime bien charger le marteau. Les dégâts que tu fais quand tu charges le marteau, c'est vraiment à chaque fois, c'est scandaleux.
Hop, ça dégage. Ça dégage. On les fume. J'interagis. Vas-y. Vas-y, interagissez, moi je suis parti devant. Qu'est-ce qu'un peu de sorcellerie face à la vertu ? Ah, y'a un. Non, je suis trop loin. Ah merde. C'est trop satisfaisant de fumer les humains juste avec un bolt. Oui, oui, juste le. Des explosions. One shot, one kill. Oh le bâtard. Ah merde, je te l'ai volé. J'ai pas vu que t'allais sur lui en même temps. Moi j'ai vu que t'allais dessus. Oh, y'a du monde derrière, y'a du monde derrière. J'y vais. Ouh, y'a du monde. Les execs, elles sont. Ouais, les execs sont extrêmement satisfaisantes. Wow. Aïe aïe aïe! Putain. Oh là là, ils nous emmerdent. Attends, je vais te dégager ça. Bon, yeah, oh, le coup de pied. Attends, mais ils sont combien? Ah, mais faut se rassembler, faut se barrer. Mais c'est je suis un spawn infini. Ah, c'est bon, putain. D'accord. Ah, on se casse. Non. Allez-y. C'est bon. J'appuie sur le bouton. Bien joué. Vache. Eh ben. Oh, ils ont fini de nous gratter des PV gratuitement là. Exprimé. Mais ça suffit là, je prends des dégâts pour rien. Ouais, moi aussi, bah je suis en train de crever là. Moi, je fais littéralement un PV. Hein. Mais ça suffit, je prends des dégâts pour rien là, casse les couilles. On prend des balles. Insupportable. Oh, bah voilà. Mais what. Mais traverse la plateforme. Mais ça, ils sont en train de nous défoncer. Y'a tricherie là. Y'a tricherie, monsieur. Ils vont tenir. Chef, y'a tricherie. Il me faut des munes. Ouais. J'ai plus de munitions dans mon. Dans mon fuseur. Votre arme est la fierté de toute l'armurerie. Ah merde, j'ai pris des munes, putain, je suis un connard. Chouette causerie. Ouais, les bombes à fusion, c'est pas ma cam par contre. Je vais vraiment les grades. Putain, mon perso a dit Straban, votre arme est la fierté de l'armurerie. Maf a répondu oui. Mon perso a fait chouette causerie. Putain, le dialogue de débile. Chouette causerie. C'était bonne discussion. J'ai aimé ce moment de sociabilisation. Ouais. Oh là là, j'ai plus que mon bolter, quoi. Vous voyez des munes, faites-moi signe. Oh putain, elle brute. Elle brute. Oui. Oui, on l'a vu, on l'a vu. Ah ouais, mais non, là, il me faut des munes, hein. Oh, what? Mais ma German suplex? Comment ça, il a pas pris de dégâts? Oh, ce bâtard, il a dodge. Wow, wow, wow! Qu'est-ce qu'il fait là? Écoute, tu fais partie de notre équipe. Oh la vache. Oh, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de tête. Bon, les copains, je vous laisse. D'accord. Il m'aime beaucoup, je crois, le Elbrut là. Il ouais, m'a beaucoup aimé, moi aussi. Putain, mais l'incus, t'es mort là, on peut pas te relever. Bah, je reviens dans 50 secondes apparemment. Oh la vache. Oh, hein. Oh maf. Alpha, t'es où? Je me balade. Je bute un TS qui passait là pour régène. J'arrive. Oh le bâtard. Ouais, assaut dans cette mode de jeu, c'est dur. Hein. C'est pas simple. Hein. Oh là, sa mère. Oh merde, c'est pas possible. Ah, d'accord que c'est un bouclier que t'as en face de toi, Maf. Ok, j'ai 0 mule là. 0-0 là.
J'ai plus rien. J'ai plus TD du tout. Zéro mun. Je trouve quelque chose. Attention. Ouais. Il y en a là-bas. Je suis de retour. Putain, non, il y a rien. J'ai mes chars. Ah oui. J'ai trouvé. J'arrive. Tu veux toi? Oh bâtard, quoi, je suis déjà mort. Ah mais Meta Brutus au corps à corps, c'est dur hein. C'est au-delà du corps à corps, c'est que... Wouhou, j'ai une grenade crack. J'ai besoin de mun aussi moi, j'ai plus de munitions de Melta. Putain, y'a vraiment rien. Oh, ça se TP aussi un Meta Brutus. Ah visiblement, ah c'est bon. Il est où? C'est bon, il l'a eu, Linkus. Bien joué, mec. J'ai un plus gros marteau que toi. J'aime trop ouais, quand t'arraches la tête en mode ça, ça a rien à faire là. Hop là. Allez, ici, il y a une caisse de munitions, j'ai trouvé. Ah ouais? Ah, ça aurait été bien qu'on la trouve avant. Ouais. Ouh, c'était chaud, j'avoue. Il y a des stimulants. Oh oui, de grâce. Il y a encore des stimulants ici, si vous voulez. Parfait. Bah voilà, c'était facile. Bah en vrai. Tranquille. Moi c'est juste que j'avais vraiment zéro mune quand on est tombé dessus mais... Ouais, il aurait... y a rien là-bas je crois. Vous avez... T'as été voir au-dessus là, par là? Vérifiez cette zone. Puis... Non, là-bas je suis pas allé voir. Un petit médiqué là? Je dirais pas non. T'as pris celui qui était en bas? Bah Linkus l'a pris, oui. J'en ai pris un, mais il y en avait un deuxième, non? Je disais maf, t'as l'air, non? Ouais, bah je l'ai pris, j'avais plus grand chose non plus. Oh, ouais, la masque est là-bas, la maf à gauche. À ta gauche, il y a moult ennemis. Ah ouais? Ouais, tu vas monter les escaliers, regarde, à gauche, il y a un anniversaire surprise là. Merci beaucoup, Zerdrix, pour les 20€ de dons. Merci à toi, l'ami. Merci beaucoup. Voilà, c'est le petit Space Marine avant d'aller dodo. Histoire que demain on soit totalement opérationnel. Donc là, je fais cette petite OP, ensuite on va quitter le live. Comme ça, demain, je pourrai arriver tôt. Ah, ils sont trop chiants, c'était... Allez, on tient bon, on tient bon. C'est bon, ils sont morts. Merci beaucoup, Sedlou, pour les 50€ de dons. La bise. Merci à toi pour ton don. Merci beaucoup pour ton don généreux. Je vais garder le fuseur, hein, parce que c'est vraiment la vie. Hein. Et il l'a refait, le chouette causerie. Chouette causerie. J'aimerais bien régénérer mon armure, mais c'est bon. Très fort contre le lance-flamme, j'ai l'impression, le truc que j'ai. C'est quoi? Le halo. Ah bah oui, ça le bloque. La protection. Ah oui, ça le bloque de fou, hein. T'imagines? Munition. Ouais. Oh là là, le plaisir. Putain, le multifuse. Oui, 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 c'est très très fun. Pas, attendez, dans, attendez. Dans les grosses ah merde, de mobs, ils sont... c'est très très fun. Ah. Qu'est-ce qui nous arrive dessus là? Merci beaucoup, Griffe de Glace, pour les 20€ de dons. Merci à toi. On continue de faire monter cette cagnotte, les amis. Ça continue tranquillement, mais sûrement. Vous avez déjà donné beaucoup. Merci à tous, vraiment. Très important. Hop là. Je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y a un spawn d'élite là, il y a eu un bruit. Ah ouais? Ça arrive là en tout cas. Ça arrive fort. Ouah! I got it. Ouh! Ouh! Waouh waouh waouh! Genre il tire à travers le truc là?
Oh, le coup de... Picatelicus. Le coup de dégage. Oh, il a tellement fait le ménage. Wow. Ah, je m'en occupe. Bien joué. On va les purifier par le feu du fuseur, t'inquiète pas. Bam. Je passe le plein de mun, mais... Faut qu'on peut-être qu'on bouge dans d'ici, non ? Ah ouais ! Médiqué ici. Ah oui, je l'ai vu. Oh, il me faut vite. Après, c'est bien de les garder en rab pour les utiliser quand tu te fais raise, parce que ça te purge du mal d'invoquer. Eh, par contre, il y a un sniper qui est trop casse-couille. Ah, c'est lui là. Il me reste tellement pas de PV. Vers quoi là? Ah, faut se barrer, venez. Monter les escaliers, non? Ouais, je crois bien. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas un truc à loot avant. Ah, relique de gardien ici. Tu la veux? Ah, je viens de la prendre. Désolé, meuf. Bon, oh, vas-y. Toi qui vas au cac. Oh, putain, je vais prendre toutes les balles de la terre. Aïe. Ils sont où? Oh, mais c'est pas vrai! Médiqué, double médiqué ici, maf! Non, parce que là. Merde! Oh, ils se sont TP sur moi, c'est une blague! Je suis par terre du coup. Ouais, j'essaie de. Je crois qu'il fallait avancer. Là. Merde! Ok. J'arrive, bonjour, maf, je suis juste là. Vas-y. Encore un peu de temps. Là, c'est presque fini. Hein. C'est quasi fini là. Bien joué. Oh le bâtard. Ah, il casse les couilles avec ça lui. Voilà. Je suis pas bien. Je suis vraiment dans la sauce. Il faut se casser. Hein. Venez, on se barre. Hein. C'est où qu'il faut aller? Là, venez, suivez-moi. Vas-y. Putain, oui, ça pop à l'infini. Hein. Ouais, ça pop à l'infini, on se casse. Oh merde, putain. Ah, tu peux le raise? Attends, ouais. C'est bon. Ouais, sinon, j'ai mon truc de gardien pour le prochain. Donc. C'est ma dernière vie, moi. Y a un médiqué là? On le peut-être non? Ouais. Par contre, ça me supprime pas le fait que c'est ma dernière vie, hein. Les médiqués. Si, normalement ça t'enlève le debuff de la prochaine fois tu meurs, t'es au sol, t'es mort. Le logo il a pas bougé, ou alors c'est pas ce logo là, je me gourre. Ah ok, mais espèce il me semble. De tête de mort. Mais je sais pas, je suis pas sûr. Ah putain, on est pas en forme pour ce boss. Non. Ah oui, c'est un autre démoniaque, waouh. Oh la vache, stylé. Attention, zone au sol. Faut capturer et détruire les hôtels de l'empereur. Ah oui, nickel. On reste ensemble. Oh, il est stylé. Ah, il est trop stylé. Hein. Faut être full live. Attention pour les le... Doombolts. Pour faire restez quoi derrière moi, restez derrière moi. Oh putain, ça a fait imploser ma barrière. Ok, interagis avec le truc. Ouais. Ouais, bon. En fait, faut aller faire toutes les zones en fait, c'est ça? Ouais, ça. Ouh la vache! Wow. On se fait acculer là, faut pas se casser, faut aller se défendre sur la zone. Ouais, on y va! Il y a eu un spawn d'élite, faites gaffe. Il y a des munitions là-bas. Il y a un médic aussi, non? Il y a un médic aussi. Terminator! C'est bon, tu l'as eu. Bien, wesh. Paf, dégage. Ah ouais. Putain, il m'a tanké.
Ok, je prends le truc. Il y a des, il y a une caisse de munitions, hein. N'hésitez pas. Allez, on enchaîne. On enchaîne, ouais. Ouais, vas-y, fais gaffe, ma pente est un peu. Il y a un autre médiqué là. Vous avez besoin? Ouais, 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 prenez le médiqué. Il faut de l'arme. Ah putain. Tu t'en sors, Maf? Maf, il est j'ai, pas bien. J'ai du monde sur moi là. Vas-y, je commence à capturer le point. Casse-couille! Allez, Tangor, ça, c'est chiant, hein. Viens, Maf. On est séparés, c'est pas ouf là, faut qu'on se regroupe. Oui, j'arrive, 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 j'arrive. Bien joué. Allez, bim. Je t'enlève cette tête, elle te sert à rien, bro. Pas plus nice, que le on reste. Est bien, on est bien. Pas plus que le reste. On avance, on avance. Grenade, attention. Attention, les jeunes, grenade. Ok, faut monter Alpha. Faut monter. Ok, ah ouais. Ouais, ouais, je finissais des traîtres. Vague d'ennemis. Attention. Quoi, là il fait casse des zones au sol, ok. Attention, Doombolt. Oh le bâtard. Oh, il triche. Ça arrive à gauche, hein. Ok, je casse l'œil. Vas-y, moi je suis devant. J'arrive de tout côté là. Oh, je suis pas bien moi. Là. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Mais non. GG. Putain, bien joué les gars. Bon, c'est fini. Putain, y a un mec qui est enchaîné. Ouais, ouais, il est possédé. De lui que sort le truc. C'est ça. C'est un autre démoniaque. Ah ouais. Il est passé c'est dans là la que chasse d'eau. Le démon majeur veut sortir. Il est passé dans la chasse d'eau. Par contre, en vrai, il a joué. Ah, donc tout, l'autre fois, on a. Passé tout seul. Ouais, ouais, on était, oh, on oui. était bien focus, bien synchro. Ouais, alors, difficulté 4, lui, il doit être sportif. Hein. Oh oui. Ah, lui, on dit, là, on était quoi? On est en 3 là, non? 2. Ah non, non, en 3, je pense qu'on aurait, pas aimé. On aurait morflé oh, un peu. Vache. Ah, on a pris cher. On aurait pris cher. Ouais. Bon, GG, hein. Ouais, Zench, stylé, hein. Alors, globalement tous les, tout ce qui est chaotique est stylé. Est-ce que c'est aussi stylé que Nurgle? Ah, pas vraiment. Mais Nurgle, tu sais, moi je suis un gros fan de body horror, donc mec, ouais, je sais que t'adores. Nurgle, la Death Guard, moi je trouve aussi que c'est une des factions les plus stylées, les plus particulières, quoi. Les plus uniques. Oh putain, ouais, match, les éliminations. Ah oui, moi c'était vraiment les packs de mobs. Ça clean fort. Dégâts au corps à corps, moi, 5. Vous avez fait tous les deux 3700. Ouais, on a tous les deux meulé au cac. C'est intéressant de voir les stats, comment elles se répartissent entre les classes. T'as vu tous les dégâts que j'ai fait en distance grâce au Melta Gun. C'est pour ça que j'aime vraiment bien la Vanguard. Oh, j'ai un casque. Phobos MKX. Et des espèces. Moi j'ai Gravis Mark X, Mark 10 en épaulière, je crois. Faut que j'aille voir. Et le fuseur qui prend un niveau. Tu peux maîtriser, c'est quoi le fait de maîtriser les trucs là? C'est pour débloquer des armes plus fortes. Ah d'accord, ok. C'est hyper important. Ah putain, il y a un arbre de talent sur les armes, hein. Je sais pas si tu l'as vu, Linkus. Ouais, j'ai littéralement au moment où t'as dit ça d'appuyer dessus. Et comment tu gagnes des points de maîtrise? Terminer une mission avec une arme en particulier pour vous octroyer des points de maîtrise qui permettent d'acheter des aptitudes d'armes. Ah, faut que je finisse la mission entièrement avec l'arme? Ah, c'est ce que j'ai l'impression, ouais. C'est ce que j'en comprends aussi. Ah. Ah. Oh. Oh. Je savais pas ça. Lorsque votre planage est intact, ouais. Ah, j'ai pas eu de points de 1, hein, j'ai eu plus de points avec l'autre que le. Avec le bolter. Non, tu dois maîtriser chaque type d'épée tronçonneuse là par exemple. Attends, je comprends pas. En fait, j'ai pas bien compris comment ça marche. Ah, genre celle-là?
Mais là, elle est... Ah, je dois maîtriser toutes les... Ah, je dois acheter toutes les épées tronçonneuses pour avancer. Quoi? Ah, je peux jouer au... Attends, je peux jouer au gant. Oui, il y a le gantelet, ouais. Parce que moi, je l'ai pas en PvP, le gantelet, faut le débloquer. Moi, je vais jouer au Marcel Gagwell Point. Hein. Attends. Ah, c'est ça, en fait. Je dois... Là, je dois utiliser la bêta. Ah, je peux la maîtriser? Mais what? Ah! Si je la maîtrise, ça me donne un point. Oui, après, t'as des espèces de compétences par rapport aux maîtrises que tu mets, non? C'est pas un truc comme ça? Wait, what? Attends, mais là, par exemple, le multifuseur, le fuseur, là. Ah, j'ai pas assez d'argent, merde. 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 Non, info chat. Soit tu la pegs, soit tu utilises une ressource d'armure. Ah! Et par contre, vas-y, on gagne zéro réquisition, ça casse le crâne, ça. Attends, les points verts, c'est quoi? Les points verts, les points. Attends. Tu dépenses ça où? Ah, mais. Attendez, mais quand je le maîtrise à fond, ça donne quoi? J'avoue, je comprends pas bien. Tu les débloques, c'est pour tes armes, je crois, les points verts. Hein. En fait, tu peux soit maîtriser ton arme, soit acheter des aptitudes quand sur une arme. Débloquer ta maîtrise d'arme. En gros, ouais, moi c'est ce que j'ai fait. Mais... là. Attends, c'est quoi la maîtrise d'arme du coup? Parce que bon. En fait, t'as un espèce de niveau. Tu vois, t'as ton arme tout à gauche et une sorte de jauge avec plusieurs étapes. Au début, t'es en standard et après, j'ai l'impression que ça évolue. Et selon comment t'évolues, bah en gros, tu as plusieurs compétences après. Non, c'est les points de maîtrise ça. Mais moi, je parle tout en haut. T'as trois ressources là, vert, mauve et jaune. C'est quoi ça? C'est pour avancer dans les rangs maîtres, artificiers, reliques des armes. Ça. Ok, donc là en fait j'ai juste acheté la maîtrise au lieu de la jouer. Et le fait de la maîtriser, ça m'a donné un point de maîtrise. D'accord, donc en fait avec des points verts, je peux acheter une maîtrise d'une arme. Bah attends, je vais regarder avec ça. Donc lui il est maîtrisé à fond. Ah et là je peux déverrouiller ça. Mais j'ai pas de truc mauve. Pour avoir les pistolets bolter améliorés. Et là, je peux acheter celui-là. Et je peux le maîtriser pour un point. Me donnant un point de maîtrise. D'accord, j'ai compris. Ok. Passive améliorée. Oh, j'ai pas compris à quoi il servait le machin. Je vois nulle part où il faut les dépenser en fait. Je vois rien où il faut les dépenser. Là, c'est juste de la thune. Dans le truc maître, c'est juste de la thune en fait. Si je le débloque. En gros, dans le truc de base, t'as standard, maître, artificier, relique. Ah, ok, pour progresser dans l'arbre. Oui, mais attends. Ouais, tu progresses dans l'arbre et après, l'arbre d'aptitude, c'est autre chose. C'est d'autres trucs, je crois. Ah, ok, j'ai compris. Putain, d'abord, tu montes dans l'arme ici. Ok, tu achètes les trucs. Et en fait, pour avoir les aptitudes plus loin, il faut que tu sois. Par exemple, si là, il y a des. Quand t'es en standard, moi, j'ai que deux aptitudes. Et je dois passer en maître pour avoir d'autres aptitudes en fait. Ok. Et ainsi de suite. J'avais pas vu où il fallait le débloquer, c'est en cliquant sur le choix de l'arme là-bas, ok. J'ai compris. Je vais essayer de jouer à ce moment. Je me chauffe pas pendant 5 secondes. Vu que j'ai le coup de poing gagouélien là. Par contre, vous l'avez le skin lourd du DLC là? Le coup de poing gagouélien. Il fait quoi? Bah je sais pas mais j'ai un énorme gantelet énergétique là donc je vais essayer. Hein. Ah oui, le Power Fist. Bah, en fait je l'ai pas en PvP, faut que je le débloque et... Oui et oui en PvP je suis même pas sûr que tu puisses le jouer avec ta classe. Si j'ai que en assaut. Ouais. Mais il faut l'acheter quoi. Bon, on s'en refait une petite. Allez, on s'en refait une petite derrière, la petite derrière. En plus il y a eu un gros don là, je reviens. Merci beaucoup Tristoun pour les 20€, Nanami pour les 5€ et Arzakarash, merci pour les 100€ de dons. Merci beaucoup. Merci Arzakarash pour ton don très très généreux. Merci à toi. Petite der, allez, petite der. T'as les bonus de customisation, il y en a, c'est pas clair. Il y a... Ouais, c'est un peu complexe. Il y en a quelques-uns. Le saut de pureté, là, il y en a un, il est sur l'avant du canon et l'autre, il est au milieu du canon. Et c'est pas rien tout à voir. Fait les mêmes. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas les mêmes.
Attends, tu peux me passer le lead, Maf? Je vais voir un truc sur l'émission. Comment je te passe le lead? Tu fais Y, et avec les flèches, tu vas sur moi et tu mets promote lead. Alors attends, Y. Oui, c'est vrai que j'avais un casque. Incroyable. Attends, parce que Y, moi, ça me fait disparaître la souris. Je suis censé pouvoir. Ah, faut aller avec les flèches. Mec, ça va toujours plus. Là, j'ai carrément la brosse de légionnaire sur le casque et tout. Quoi. Ah, mais modifiques. Hein, ah, c'est trop ouf parce que c'est USB 2 qui nous a donné le commandement. Hein, voilà, tu as le commandement, c'est bon. Connexion, ça va en cours. Bon. What? Ça me fait un chargement, c'est normal. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah, c'est parce qu'on va sur ta barge. Ah, elle a rien à voir. Ah ouais. Non, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. la barge. Il y aura moyen de customiser sa barge. Ah, ce serait bien en vrai. Hein. C'est cool, de hein, la cool. Nommer, ce serait cool aussi. Mais oui. Comme le Driver 2, tu sais, d'avoir l'empereur de l'humanité. Attends. USB 2, ce gros port, putain. Vous êtes des fous. Mais quoi? C'est vrai que c'est un peu un gros port. Hein. Regarde ce skin, meuf. Quoi? Mais what? Pas mal, non? D'où ça sort, ça? Tu l'as normalement, c'est un truc skin. J'imagine si je l'ai que tu l'as, hein. C'est en plus, mais bling en... bling man, quoi! Et c'est lourd, hein. C'est genre que pour la classe lourde que j'ai ça. Bling bling man, ouais. Mais vraiment! Là, j'aime ce qui brille. C'est Mr. T. Ah, il a mis du tuning, il s'est juste retenu de pas mettre des néons en dessous, mais c'est tout, quoi. Ah, c'est un peu ça, hein. Pas Space Wolf, toi, tout à l'heure. Si, mais en fait, j'ai ce skin-là que j'ai en lourd, je pense que tu l'as aussi, en vrai. Ouais, mais moi, je préfère mettre des skins beaux, quoi. Bah, écoute, hein. Ouf. Si, j'avais dit que je voulais essayer le gantelet. Même si mon meilleur skin, c'est le... Vous avez fait un peu de PVP, vous, alors? Ah ouais, moi, j'ai pas. Un peu commencé, ouais. Ouais, Maf, il se réserve. Il est timide. Oui, il se réserve. Oh, mon frère, il se réserve, petit bonhomme. Il a peur. Il veut pas faire de PVP, Maf. Mais si, on s'organisera la petite soirée. Ah bon, on peut faire du 6 contre 6, ouais. Pas encore. Par contre, il paraît qu'on peut pas faire des lobbies à 12. Bien, dommage. Ouais, ça, c'est relou de fou. Non. Ouais, ça, c'est chiant. J'espère que ça changera. Aïe aïe aïe. Bon, midi et demi, c'est ça demain, là. Faut que je réinstalle AOS alors. Enfin, Age of Empires, pardon, pas AOS, putain, je suis matrixé. Oh, ça y est, ça sort le OSCA. Oh non, je fais un petit chapitre custom là. Je m'amuse. C'est dans la roadmap. Bah, ça aurait dû être dans le jeu de base, non? C'est dans la roadmap de quoi? Des lobbies à 12? Bah, de pouvoir faire ses propres lobbies. Après, je pense qu'il se concentrait plus sur le jeu campagne que le jeu multi, non? Ouais, et non, mais même la sortie en tant que telle, quoi. Allez. J'ai fait un petit schéma qui change un petit peu. Bon, au moins, on te verra bien. Voilà. J'ai fait un petit White Templar. Oh, j'ai regardé l'épisode là. Ça y est, Troma, il va être content. J'ai regardé l'épisode The Tithe. Ah, le fameux. Avec la. Comment on dit, la Custodes, non? La Custodes, ouais. Et la Sœur du Silence qui est trop stylée. Elle a vraiment un flow. Ah, Maf, il détecte pas au détecteur anti-métaux. Encore ça. Pas? Non, mais le scanner a détecté que t'avais une arme sur toi. Ouais! C'est ma chaîne. Cette vidéo là de la Custodes et de la Sœur de Science, hein. C'est sur Warhammer Plus, sur leur truc de streaming là. Ah oui, ok. Et ouais c'est... Pour le coup elle est vraiment bien, j'ai bien aimé la cinématique. Très sympa. Non, mais la série The Tithe, ça a l'air vraiment bien, hein. Franchement, le premier épisode j'avais kiffé avec le lieutenant... Enfin l'apothicaire biologiste ultramarine là. Bien cool, franchement bien cool. Oh, yeah.
Maintenant, ah quand je vois ces petits êtres habillés en rouge, je ne vois que Maf. Allez, viens, Albert. N'aie pas peur. La servitude éternelle vaut mieux qu'une vie plus courte. Des souffrances humaines. Allez, bien que je trouve un truc. Non, mais Albert, il a filé la chiasse à tout le monde, ça a été terrible, il a fallu un blâme exemplaire. Bah, normal. Plus personne n'est jamais l'audace de proposer ça. Mourir pour l'empereur plutôt que vivre pour soi-même. C'est ça. Je crois que c'est ça, les Dreadnoughts disent ça. Ouais, ouais. Bah, ouais, dans Dawn of War, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ouais, c'est ça. Et un esprit ouvert est comme une forteresse. Aux portes ouvertes et sans garde. Hein, des gens raisonnables, toujours sympas de discuter avec eux. On aime bien. Très ouvert, très. Voilà. Sur les Space Marines, hein, y a pas de doute, hein, c'est des gens avec qui on peut discuter. Hein. Ah oui, toujours. Oh, bah, surtout chez nous, les Templars. Enfin, des gens avec cœur. Chapitre exemplaire en termes de. De diplomatie. D'ouverture. Des gens avec les cœurs sur la main, même. Allez, le savoir et le pouvoir, il faut le cacher. Bon, ça, c'est connu, ça. Elle est bien connue, celle-là. Merci, Legend Senpai, pour les 5 euros. Petit don pour soutenir l'event PS. J'ai fini Space Marine 2. Le jeu est juste incroyable de A à Z, surtout en coop à 3. J'espère plus de contenu par la suite, comme annoncé dans la roadmap. Ah, bah ouais, ils ont prévu. Hein. Ils ont prévu beaucoup de contenu. Hein. Savez, c'est vrai que le jeu est pas encore. Encore sorti vraiment. Il sort demain, en fait. C'est vrai, il n'y a pas encore eu le patch Day One. Là, ouais, on se plaint, mais. Là, c'est l'early access, là. Mon chapitre, c'est White Templar. Non, c'est un truc custom, je sais pas. En fait, ouais. Si j'avais le casque, je pouvais pas changer sa couleur. Je me suis dit, tiens, je vais faire une armure. Ah oui, ça existe, les White Templars. Mais oui, mais d'ailleurs, genre, dans The Tide, je crois que c'est un lieutenant. Enfin, c'est les Marines qui sont concernés dans la cinématique avec la Custodes. C'est des White Templars, il me semble. Il y a un chapitre successeur, ouais. C'est quoi les White Scars? Il n'y a pas un chapitre. White Scars, c'est un chapitre fondateur, ça. White Scars, c'est les Mongols. Ok. Et là, ils ont mis aussi ceux de la planète aquatique, là. Comment ils s'appellent? Les Sharks, je sais pas quoi, là. Carcaron. Oui, c'est ça. Ils sont pas d'une planète aquatique, juste ils sont dans un. Ils sont dans un vaisseau. C'est une flotte. C'est un chapitre basé sur une flotte. Hein? Sur une flotte. Ils ont pas de monde d'origine, je crois, Carcaradon. Ou alors il existe plus. Ah, d'accord. C'est un peu comme un requin qui nage dans les eaux, quoi. Ah, d'accord. Oh, les patates de Fofou. Bon, je vous laisse hein, nettoyer les petits groupes comme ça. Amusez-vous, hein. Bah. Lui, il passe plein bon moment, oui. Ah non, il a pas kiffé. Hein. J'ai vu ton message pour AOE4, c'est déjà passé. Non, Hugo, oui. Après le stream, j'allais organiser ça. Putain. Donc, Hugo, si t'es chaud, demain, midi et demi, Age of Empires 4. Si t'es chaud. Ça pourrait être trop bien. On essaie de se faire un lobby complet pour demain. D'ailleurs, Linkus, si à midi et demi demain aussi, t'es dispo. Bah, faut que je rentre pas trop tard de la salle, mais avec plaisir. Hein. Pourquoi pas? On va juste que je réinstalle le jeu, quoi. Et que je me rappelle de comment on joue. Allez, let's go. Et personne ne se souvient comment ça se joue. Et oui, c'est pour ça. Allez, pense à toi. Le décapsuleur. Poink. Vous venez pas? On était occupé avec des clients. Vous avez du massage thérapeutique. Pour lui. Paf. Ah ouais, avec un cul, on se jette sur eux comme des morts de faim là depuis tout à l'heure, c'est très drôle. Alors que Maf, il avance tranquillement, il fait sa petite vie. Ouais, bah écoute, là, il n'y a pas grand monde.
je l'ai fait. J'ai eu le coup de Melta, il a pas kiffé. Ah, c'est toi qui lui as mis un coup de Melta? Ouais. Il commence avec le truc. La ligne de dialogue. Souhaite cause réunie. Ah, moi je l'ai pas eu. Je te redirai pour demain midi, très cher Alpha. Ok. Vous préférez affronter Tyrannide ou Thousand Sons? Oh, Tyrannide, c'est plus Tyrannide, ouais. Bah, je suis d'accord, je préfère affronter Tyrannide que Thousand Sons. C'est moins satisfaisant de fumer des armures de rubrique que des guerriers, quoi. Ouais. Faut se rassembler. Sergent Maf. Il y avait des grenades. Le chapitre du chaos qu'on défonce, c'est les Thousand Sons. C'est apparemment des âmes dans des armures. Ouais, emprisonnées. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, mais moi demain midi, je dois aller. Oui, bah oui, attends, je te redirai. Attends. Mais putain. Oh putain, le Terminator, ça a été un joli duel. Je voulais pas crever. Oh la vache. Tiens, le plasma, c'est pas la même limonade. Hein. Vous en sortez, les gars? T'es où, l'Incus? Ça va. Oui, je m'en sors, écoute. J'étais voir. Oh là 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 là. Une petite scène. Dégage-toi. C'est vraiment la meilleure exec quand t'as un Sangor qui te saute dessus et que juste tu l'envoies chier avec un énorme coup de pied. C'est tellement satisfaisant, oh, c'est putain un truc de... Oh, pardon. Yeah. Oh là là là. Eh, le plasma lourd, c'est vraiment l'arme qui est en dessous du lot, je trouve, pour le... Je suis d'accord avec toi. En fait, le fuseur est beaucoup trop fort, c'est surtout ça. Le fuseur est hyper fort. Je suis d'accord avec toi, le plasma est vraiment bad. Il est vraiment décevant parce qu'il est trop lent et là-haut est pas assez grande et t'es vraiment obligé de charger tous tes tirs pour vraiment faire des dégâts. Ouais. C'est vraiment... Alors que le fuseur, il a une range plus courte, mais tu ressens pas souvent le besoin d'avoir une range si longue. Puis il part vite, quoi. Mais en termes de dégâts, c'est juste... ça n'a rien à voir, quoi. Puis dans la panique, il part direct, c'est ça qui est bien. Ouais, franchement, le plasma, il est pas incroyable, malheureusement. Personne d'autre ne veut négocier. Après, peut-être que monter avec les améliorations et tout, l'écart va peut-être se réduire. Je sais pas. Bonus d'armure ici. Mais sinon, c'est une arme qui mériterait un petit up, le plasma. Ah, mais attends, il y a un truc là. Et par contre, les Sangor, ça n'a aucun sens. Ça devrait tellement pas être si tanky. Putain, je ne les two-shot même pas à bout portant avec le plasma. Bon, d'accord, il avait un bouclier, mais quand même. Voilà, patate de forain. Grenade. Bonsoir. Oh la vache. Alpha, il est arrivé tel Rey Mysterio en 619. Coucou. Ouah, petit bâtard. Mais j'ai cru que t'es un ennemi. Fouillons le serviteur. Il est à quoi, le serviteur? Je sais pas. Ah, j'avoue que mon armure, elle fait un peu World Eater pré-hérésie. Ah ouais. Voilà, ça sent bien. En fait, le plasma lourd, j'ai l'impression que c'est plus une arme anti-élite de loin, avec plus de munitions que le fuseur aussi. C'est vrai qu'il y a ça.
Et avec une possibilité anti-horde si on le charge, mais faut vraiment bien le charger quoi. Ah yo. On parle à toi. Aouh. Il est là-bas. Vache. Wow. T'arrives chez moi. Il y a du monde chez moi. Ok. Allez, viens là. Il y a un bonus d'armure près de moi. Ok. Oh ouais là c'est... Derrière toi Alpha, attends ouais c'est un truc. Oh merde. Pour établir le courant de la console, quelqu'un s'en occupe? Je peux m'en occuper. C'est toi le truc de technologie là? C'est... Protéger. Comment ça on doit protéger l'Incus? Tu vas aller où l'Incus? Bah écoute j'en sais absolument rien. Appuie sur tab. Ah c'est là-bas, vas-y go. Et y'a plein de munis ici, je vais les prendre. Attends je vais me faire le sorcier de pacotille là. T'as envie d'attendre là? Faudrait peut-être aller près du... Près du sorcier là. Près d'Alpha. Non près de l'Incus. J'ai pas le droit au bonheur ou... Ah putain oui. T'as allé l'exec, je suis désolé. Je l'ai vu, j'ai tiré, je t'avais pas vu à côté. Ah c'est par là. Réparer. Ah mais oui, c'est là où on était tout à l'heure. En effet. Miu. Ah. L'esprit de la machine. Ouais, là, le Bolter rafale de 3, ouais. Ouais. Les guardsmen 1 PV, j'aime trop, c'est trop satisfaisant à fumer. Mais let me in. Moi, le capitaine Akeran, j'autorise la réinhumation des honorables défunts hors de ce monde. Autorisation confirmée, capitaine Akeran. Ok. Envoi d'assistant pour localiser les dépouilles. Et vous l'avez jamais fait cette mission là, non? Non. À votre service. Oh, non, je découvre aussi. Escorté. Oh non, la mission d'escorte. Ah! Putain, déploy Servo Skull. Ouh. Ah, comme il m'a mis cher là. Béon. Oh merde, j'ai couru. Mais non, t'inquiète. Je suis le cerveau-crâne. Hein. Oh putain, Métabrutus! Oh mais bordel de merde. Ouh! Aïe! Oh c'est pas bon ce qui se passe! Non. Je me suis fait ouvrir le fiacre. Non! Oh putain, je vais mourir. Hein. Ouais, t'es sur le chemin, il y a juste Map qui pousse. Non mais là j'ai pris un turbo aggro là. Évaluation du sarcophage. Fais gaffe, faut pas que tu meurs là, Linkus. Oh, le Métabrutus qui est dans la grenade choc. Oh ça le stun. Ouais. Ah ouais. Oh, c'est la police là par contre. On dirait ouais. D'accord. Oh, il aime pas les grenades crack. Allez, mange. Je vais me le faire. Alors, il voulait pas que j'aille me le faire. C'est bon. Il est monté. Got it. Bien, ouais. Ouais, il se TP en fait, c'est l'enfer. Hein. Oui, putain, ça se TP un Métabrutus. Ouais, si ça pouvait se TP sur le tabletop, ce serait pas drôle. Hein. Hop là. Peut-être que ça peut, hein, avec Avec Tinch, non? Et la récompense d'une vie
C'est vrai. Ah oui, avec les magies et tout. C'est vrai. Là, eh ben, bon à savoir, hein, la grenade choc, ça marche super bien sur le Meta Brutus. Et il aime pas du tout la grenade crack. Munition ici. Ah oui, parce que le crack, normalement, c'est pour. C'est la munition. Ah, anti-armure, oui. Oui, oui. C'est... Ah, 12 de dégâts hein, sur une période malédictone, évidemment. Ça m'a trop fait rire quand vraiment on lui a expliqué après ça les grenades. Elle arrive dans le couloir avec full mob qui arrive et elle fait je jette une grenade crack. On lui dit tous frac tu veux dire. Non non crack. D'accord. D'accord. Les optimisateurs fiscaux dans le chat devaient être en mode bah après, moi le premier. Bah oui oui bien sûr. C'est juste que c'est pas. Oui. De l'autre côté. Alors, c'est sûr que le mec qui l'a prise, c'était vraiment fuck you in particular, quoi. Ah oui, c'était. Nothing personal. On a fait nothing personal sur un quartier de Montpellier, donc c'est pas mal. Allô, bonjour, désolé, y aura. Ça, quand même le truc y aura-t-il une prochaine saison Table Quest? Oui, et ça arrive cette année. Voilà, on vous annonce bientôt quand. J'ai bossé dessus hier d'ailleurs. Ah ah. Voilà, si vous voulez avoir des news. Le devoir ne prend fin que dans le... Gus, il veut être harcelé. Non, ah là, non, si vous voulez que je vous dise rien, voilà, vous pouvez. Bourgeois, la période de canonisation est dépassée de 11 décennies. Ministre, procédez à la réinhumation. Rite d'accès accordé par le capitaine Akelan. Sous les consécrations. Il est tout petit ce marine. C'est un firstborn, ça se voit. Point de rendez-vous à la console. Continuer à travers le tombeau. Pas de classe de psycheur dans le jeu, est-ce que c'est étonnant? Bon, non. Non, parce que les psychers, c'est quand même rare, c'est rare hein, les potes. Hein. Mais il y en aura peut-être. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un librarian à terme. Oh. Ah ouais, t'as bien fait. Hop là. Ouais, Là, le plasma, il est bien dans ce genre de situation. Non, il est quand même pas si mal, le plasma. Faut juste le temps de s'y faire après avoir joué avec le fuseur. Faut un peu plus jouer distance. Il reste pas vraiment chef, loin et il montre quand même du potentiel, surtout sur les élites. Bah, bonjour. Wouah. Oh la patate. Oh, les exécutions avec le point, c'est... Ah oui, oui, c'est trop... T'as bien le point. Ouais, c'est... En fait, t'as moins d'amplitude que forcément le marteau, les pétons. Ouais. Mais... Moi, je suis pas trop fan du point, perso. Quand j'avais testé, j'étais un peu déçu. Enfin, les mecs, là, les Thousand Sun, genre vraiment, je les stun en deux coups, quoi. Enfin, ils sont... Te touche, tu te couches. Exactement. Ou c'est moi qui te couche. Et dans le système du JDR 44, c'est pas vrai, Soft Glory. On était parti dessus au début, au tout début, quand Alpha a parlé du projet du JDR 44. Mais en fait, pour des raisons aussi de simplicité et tout, vu que moi j'avais déjà fait du Warhammer Fantasy Battle, je sais pas c'est quel. Ah, tiens donc! Oh bah tiens. Le Eldrake. On est parti sur Indomine. Non, c'est In. C'est un chaval. Imperium Maledictum. Ouais, c'est trop stylé les passages. Ah, parce que c'est un autre JDR, peut-être. Tu voulais confondre de peut-être Dark Hérésie ou un truc comme ça? Non, mais t'as un autre truc, un autre JDR qui n'a rien à voir avec 40k qui a un peu un nom similaire. Hein. Oh, ouais, j'adore le coup de pied là. Oh la vache! Oh merde, le Metadrak il m'a cramé le cul. Merci, monsieur Maf. Il revient! Ces mouvements sont vraiment bien faits hein. Ah oui, ah oui, faut se foutre à couvert. Oh la vache, j'ai pris si cher. Ah oui. Ah, ça reste chaud par terre. Attention au feu sinistre. Attends, hein. Oh la vache. C'est comme Dark Souls. Ouais. Allez, on y va. Le feu sinistre brûle le corps et l'esprit. Ah
Hop là. I need armor. Je vais l'avoir un jour. Hop 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 hop. Il casse les couilles. Tu permets? Oui, allez-y, monsieur Matt. Miam! Oh, ça arrive! Oui, 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 oui. En effet. Oh, je me défendais! Oh merde, je me suis fait avoir! T'es où? T'es dans la pièce? Ouais. Ah, vous êtes parti? Ah non, non, moi je me débat! Désespérément! Il y en avait blindé là! L'incus, les patates. Oh merde. Oh la vache, le monde. Je m'en doutais, je le voyais derrière. Ah là, il y a beaucoup de briques marines là. Il y a beaucoup, beaucoup. Mais putain, mais il y en a partout. Ouais, il y en a plein autour de nous. Ah, il y a des Tsangor et tout. On vous arrive dans le fier, combien c'est monsieur? Je me défends. Bon, je réapparais dans une minute. Ouch. Ils sont tellement nombreux autour de moi, au secours! Ah! Je suis mort! Ouais. Fuck! Ah, ouais, tout le monde est mort! Trop nombreux là! Et oui, tout le monde est mort! Non! Et ouais! Oh, c'est pas cool! Ouais, ouais, elle était chaude celle-là! Ah ouais, mais putain, en fait je pense qu'on est resté trop au même endroit longtemps. On aurait dû enchaîner avec les escaliers, on aurait dû dessus. Peut-être, ouais. Parce qu'avec Paf, on est resté un peu en bas et on s'est fait un peu... Il y avait beaucoup de monde à monter, le temps que je comprenne que je me faisais encercler en bas, j'étais tout seul. Bah ouais. Et du coup là, je pouvais plus rien faire. Pour info, Focus a classé l'idée de l'apothicaire comme classe en priorité dans le futur développement du jeu, mais cela prendra un peu de temps à coder. Check le forum pour plus d'infos. Ah ouais, ok, marrant. Ah putain, cool. L'apothicaire. Bah regarde, dans Dark Tide, tu joues bien un bête soldat de la garde impériale à côté d'un Psyker. Oui, oui, c'est vrai. Je passe à niveau 10. Donc pourquoi pas. Niveau 10 sur le petit paillet. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouvelles armes et tout là? Montrez-moi ça. Bon allez, moi je vais stopper ici. Niveau 8 sur le lourd, moi. Ouais, le gantelet, ouais. Ultime recours. Ça stoppe ici alors, c'est ça? Bah moi je stoppe ici, comme ça demain au moins je serai d'attaque. Aspirateur. Ça roule. Ouais ouais, moi ça me va bien. Quand j'ai commencé à dire oui, midi et demi, vas-y, moi je te dirai et tout. Ma partenaire de vie passe à côté de moi, il m'a fait un signe de désapprobation, donc je pense que j'ai un truc de prévu que j'ai oublié, donc Merde, El Famoso. La sainte patate. Non, mais je crois que en fait on a un truc de prévu, mais bref. Je dirai si je rentre, à quelle heure je rentre. Ouais, ça roule, t'as pas de soucis. Aucun problème. En tout cas, c'était bien cool de jouer en coop quand même. C'était mes premières games en coop, moi, pour le coup. Hein. T'as kiffé? Ouais, c'était cool. À refaire en vrai, hein, si ça vous tente. Ouais, il marche vraiment bien en coop le jeu. Même demain, si jamais vous voulez en refaire après votre. Votre Age of Empire, j'ai envie de dire AOS, c'est un enfer. J'ai mes petits géants AOS à peindre d'ailleurs. Parce que vous adoptez une posture robuste. C'est quoi une posture robuste? Quand t'es solide sur tes appuis, maf. C'est quoi la posture robuste? Vos tirs se chargent 10% plus rapidement. Alors tu te lèves, tu fais la position robuste quoi. Voilà. Il doit y avoir un truc. Je me suis mis en mode River frère d'épée. Je suis un mix de plusieurs trucs en même temps. Je suis Dark Sasuke à la capuche. Domo. Ah mais oui, avec une petite spécial. Posture robuste. C'est quand tu vises avec le bolter lourd ou le multifuseur. Ah mais oui, c'est ça. Oui, c'est quand tu vises, t'es en posture robuste. Ah, ton il perso considère est plus que lent. La visée c'est posture robuste. Ah d'accord. Regarde monsieur Alpha. Non, j'ai ça. Ah mais oui, elle a la fameuse collector. Ah oui, d'accord. Le premier de la classe.
Ils ont vraiment pété un plomb. Hein. Genre, j'aime bien le nombre de sauts de pureté, c'est au cas où. Je suis pas sûr que t'en aies assez en vrai, mec. Hein. L'épaule de droite. Et ça, c'est un vétéran de la 4ème compagnie, qui est la compagnie de Uriel Ventris, qui est le fameux ultramarine très connu des bouquins, notamment. Il y a plein de bouquins sur lui. Donc okay, la 4ème compagnie est assez connue. Le bling bling, quoi. Il est vert pour ça, en fait. Vert, c'est 4ème compagnie. En fait, il y a plusieurs couleurs qui sont attribuées à certaines compagnies ultramarines. Donc, ouais. Ah voilà, mec. Bling bling de fou. On dirait Mister T un peu. Avec la mohawk, là. Bah j'avoue. Oui. J'avoue. Bon, les amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite bonne nuitée. C'était fort sympathique. Pareil. Et GG pour, ouais, pour tous les dons qu'il y a eu, là. GG à vous, les gars. Bah ouais, hein. C'était trop bien. Merci. Eh ben les 3 millions qui vont passer. Et oui, les 3 millions. Là. Ah oui, alors bah, moi je pars pas tant qu'il n'y a pas les 3 millions. Les amis, bourrez les dons. Bourrez les dons. Je ne pars pas tant que les 3 millions, sont pas atteints. On y est presque. C'est la meilleure façon pour qu'ils donnent plus, pour que tu restes. Oui. Le pire move. Ah, c'est simple. Plus vous reportez, plus demain le live, je commence tard et c'est l'enfer et tout. Et je suis en mode. Oui, t'as raison. 2 988 000. Au dernier Dead Event, c'était. Enfin, les 3 millions, ils ont été faits quand? À peu près. Bon, alors là. Est-ce que quelqu'un a l'info dans le chat? Enfin, dans les chats d'ailleurs. Non, pas du tout. J'en ai aucune idée. Aucune foutre idée, aurait-il dit. Exactement. Bon, il me reste quoi à me faire? Ouais, il est minuit et demi, est-ce que j'écris encore un peu là? Ouais. Oh la vache. Ah putain, mon live il est allumé depuis combien de temps là? Ça affiche quoi là? T'es en live depuis 14h. Ah ouais. 14h. Ah, je crois qu'on a battu un record de longueur de live, hein. 15h. Bientôt 15h, 14h51 et 11 secondes exactement. Je me suis arrêté 2 fois 30 minutes pour manger. Je crois qu'on vient de battre un record de longueur de live là. C'est bon. Ah, quoique Cap 48 l'année dernière, peut-être qu'il y avait eu des lives très longs aussi, je sais plus. Le dimanche à 13h, le 3 millions? Ah ouais? Le dimanche 13h. À 13h? Ah ouais? Donc là, techniquement, l'événement est en avance, quoi. C'est ça? C'est ça que vous dites? En théorie. C'est ça que vous nous faites croire? Hop. C'est sur quelle cagnotte qu'il y a autant? Parce que je vois les cagnottes des streamers, en général, ça va dans les, ouais, dans les 10, en fait, 20 000, pas, 30 000, 50 000 100... max. Enfin, n'oublie pas que t'as les 100 streamers et streameuses à distance aussi. Hein. En plus de toi, enfin, je veux dire, il y a ça, plus... Oui. Ouais, mais même, c'est... Attends, y a la cagnotte principale de Zerator, peut-être, qui est très très élevée. C'est même pas celle-là la plus grande, ouais. Celle de Zera est pas la plus élevée. Je crois que c'est... Ouais, Samuel Etienne, Domingo, apparemment. Domingo, ouais. Mais ouais, il y a. J'ai l'impression que c'est un peu moins. Enfin, Zera, de toute façon, c'était sa volonté d'être moins un peu mis en avant, ouais, sur l'event. Il voulait être un peu plus en retrait. Et du coup, bah, c'est... je trouve que c'est en effet, c'est en effet ce qui s'est passé et c'est cool, je trouve. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, donc ouais. Notamment sur les placements. Là, techniquement, moi, le placement où je suis, c'est normalement là où est Zera, en fait. Genre, s'il y a un The Event. Au milieu d'une petite rangée, vraiment centrale. Là, Zera, il est dans un coin. D'habitude, il n'est pas dans un coin, il est vraiment central. Donc, il m'a foutu là où il était d'habitude. C'est pour ça. Il y a 600k des t-shirts aussi, ouais. Mais les t-shirts, tu peux t'ajouter encore aussi? Il y a 600k des t-shirts, oui. Dans la cagnotte, là. Ils ont ajouté, ouais. Ils sont déjà ajoutés. Tout à fait. Ah, oui, ça... Merci beaucoup, Azrael, pour les 50€ de dons. Merci à toi. Merci beaucoup. Enfin, 23 000 ou 24 000 en 10 minutes. Bah là, dans 8 000, on y est, mesdames et messieurs, les 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, je coupe mon live. j'arrête. Ah, mais comme ça, demain, j'arriverai, je serai frais. C'est une belle décision. On va commencer direct. Mais ouais, ça va être cool. Belle décision. Tu continues, Maf, ou tu vas arrêter aussi, là? Non, je vais arrêter aussi, moi. Ok. Je vais arrêter pareil, on va faire le 3 millions, et puis dodo. Ah, les t-shirts premium et les plaques, la vente des t-shirts standards n'ont pas été ad, il me semble. Ah! Oh, oui. Oh la vache, c'est encore plus! Ah! Ouais.
Ah, il y a moyen alors. Parce que si vous dites qu'on va battre le record historique de l'année dernière. Si les 3 millions ont été faits dimanche à 13h. Je sais qu'il y a le El Famoso rush final de Fou Furieux. Oui, il y a toujours. Qui grimpe très vite, très fort à la fin, là. Ouais. En tout cas, les causes cette année sont vraiment cool. Moi, je sais qu'il y en a notamment la cause étudiante. De mon côté, j'ai jamais été directement touché, mais j'ai tellement de potes qui ont été touchés par ça. Donc franchement, c'est vraiment bien. Donc je suis vraiment content des assos qui ont été sélectionnés cette année. C'est la cause pour est cool. Les étudiants c'est le secours populaire ou c'est copain. Je crois que c'est copain, ouais, solidarité étudiante. Ouais. Ouais. Non, ils sont cool les assos là cette année. Clairement. Mais ouais. Je vais décoller ici, moi, les copains. 2 996 000. On y est presque. 4 000. Donc 4 000 euros, les amis. 4 000. Donc 4 000 balles de la cagnotte générale. 4K. Samuel est à 100K. Putain, Samuel est à 100K dès le samedi. Ça, c'est fort. C'est vraiment cool. Et Domingo approche les 200K. Ah ouais, la vache. Il est à 180. Non, c'est trop cool. Trop cool. Allez, on y est presque, mesdames et messieurs. Dans 2000... Heureusement que tu m'as dit, non mais laisse tomber les 12 500K pour la cagnotte, tu vas les faire le premier jour. Ah bah oui, hein. T'es à combien? T'es à 130? T'es à 25? 21, là. T'es à 21? Oui, bah je t'avais dit. Hein. Mais là, on a les petites cagnottes. Enfin, je sais pas par rapport aux streamers en ligne, mais il y a beaucoup de monde qui a donné chez toi, c'est trop cool, hein. C'est vraiment cool parce que c'est moins facile, les gens mettent du présentiel en priorité souvent. Oh là là, on va y aller. Oui, bah bien sûr. Je suis étonné que ça ait monté si fort. Les 3 millions. On y est presque. 2 500 000. Mesdames et messieurs. Au revoir les amis, à demain. Tout à fait, midi et demi pour Edge Off. Des bisous. Ah, merci à tous. Je ne streamerai pas le matin. Merci à tous. Bourrez les dons, amis. Démoxys pour les 20 euros. Courant Galit pour 8 euros. Ah. Donc je t'ai acheté quand ça arrive à ce. 941 millions. Ah, mais 3 millions. Bravo. 3 millions d'euros. Bonne soirée. J'ai coupé le live. Ma fille la cut. Allez les copains, bonne nuit, bisous. Bye bonne bye. Bonne nuit, à demain. Ouais, bisous. Ciao. Allez, à demain les amis. C'est parti, on va au dojo. C'est le dojo. Bye. Attendez, je vous raffiche les petits donation goals pour un petit peu vous rappeler. On a 23 340. Le prochain, c'est que les streamers vont venir peindre le Z-Marine. Et ensuite, on va avoir la Ranked Solo Queue Overwatch. Et ensuite, on va avoir toutes les factions 40K en tier list. Et ensuite, on a le Spice Marine, le fameux challenge Spice Marine. Donc voilà, ça va être beau. Bref, demain, ça va être une grosse journée. Rendez-vous demain. Des gros bisous. Ciao, bonne nuit, bye bye. Je raid Pressea. Elle est sur Against the Storm. Oh merde, mais c'est relou ça. Je sais pas pourquoi je peux pas la raid. Attendez, je lance le raid. Pas de panique, je lance le raid. Hop, c'est parti. Bye, bye, have a good time. Bye.